OTEP la famille, OTEP, OTEP, OTEP les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère surtout que vous avez de quoi écrire, mais avant ça, je veux juste m'assurer que tout est bon au niveau de la technique. Mettez 5 pour me dire que mon Bali, tout va bien, mais feu, 2, Bali, il y a un souci, répare ça. En attendant, je vais juste passer le petit OTEP à toutes les personnes qui me soutiennent. Surtout les amis, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. C'est super, super, parce que vous êtes nombreux à me suivre. Mais quand je regarde, même YouTube me le dit, elle me dit, mais mon Bali, tes vidéos font un succès, mais les gens, ils s'abonnent pas. Fais quelque chose. J'ai dit, ah bon ? Donc, les amis, même YouTube n'est pas content. Donc, abonnez-vous. Les amis, on fait comme ça. Je vais regarder vite fait au niveau des commentaires pour être sûr. J'essaie de gagner du temps, en vérité. Pour être sûr que tout est OK. Ok, c'est bon, on me dit c'est bon, je peux y aller. Bon, ben les amis, aujourd'hui, grand jour. Donc comme je l'ai dit, j'espère que vous avez vraiment de quoi noter parce que je pense que le live d'aujourd'hui, il va être assez lourd, d'accord? Il va être assez lourd. On va parler de quelque chose que vous aimez bien. Non, pas la glande pinéale. Je sais que vous aimez bien la glande pinéale. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet que vous aimez bien aussi, la mélanine. Eh oui, je l'ai dit. La mélanine, les amis. Et ben, j'ai choisi l'un des meilleurs qui maîtrise le sujet, en tout cas. C'est le professeur Léon Marshall, que vous connaissez très bien. Léon Marshall, Mbote. Otep, 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 Mbote, brother Léon Marshall, straight from London in the UK. We are welcoming you today because we have a subject that a lot of our brothers and sisters love to talk about. It is not the pineal gland, no. It is about the melanin. And for this subject to be treated extensively, we've chosen the best in the field, is Professor, University Lecturer Léon Marshall. Otep, otep. Otep, family, la famille, Otep, Otep à vous. Otep, Otep, Otep. Alors, je ne suis pas seul, hein. Vous avez entendu la voix. Oh, il est en train de me pousser. Frère, tu es en bas. Oui, c'est le frère T-Boy, il est là pour faire la traduction. Otep, 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 la famille. Mon frère, beauté. Frère, tu t'es trompé, mon nom, c'est avec Y à la fin, il n'y a pas de N. Oui, il est parti tout seul, celui-là. Tiens, je le retire. Otep. Il est parti tout seul. Alors, Marshall, je suis très content de te revoir ici. La dernière fois, tu es venu en France. Comment tu as trouvé le public français? Brother Léon Marshall, it is such a joy to have you back on this platform. You came initially, but we also know that you were invited to a conference. How did you experience the welcoming that our brothers and sisters in France gave you? It was an amazing experience. I'd like to big up all the brothers and sisters out there in Paris that welcomed me. It was such a warm embrace. It's like we knew each other for a very long time. And they're open to this knowledge. They're open to this sort of information. And that's what I loved about it. Everyone was open to the information. Everyone was asking questions and wanted to know more. I had my book out there, The Hidden Science of Melanin, that sold out. So I can't wait to come back. I can't wait to come back and just, you know, talk and vibes with the brothers and sisters over there in France. Oui, la famille, en tout cas, le voyage que j'avais fait en France, il dit, c'était amazing, c'était franchement extraordinaire. Et il dit, je big up la famille à Paris. Franchement, ce que j'ai ressenti, il a parlé de a warm embrace. Donc, j'ai vraiment senti quelque chose de chaleureux qu'il y avait chez les frères et sœurs. Et c'est comme si on se connaissait depuis très, très longtemps. Et il dit que ce qui m'a également impacté, c'est la soif de connaissance que le peuple avait. Et il était vraiment choqué, en tout cas, positivement par rapport au fait que les gens étaient ouverts. Il dit que les gens posaient des questions. Il est venu avec son bouquin The Hidden Science of Melanin, donc la science cachée de la mélanine, et il a vendu, donc c'était sold out. Et il dit que il veut vraiment revenir. I would like to come back parce qu'il aimerait vibrer comme il avait vibré par rapport à l'accueil qu'il avait reçu. Excellent, excellent. Alors frère. And I want to big up brother Mbali Makasi as well for the hospitality. I'll never forget that. Nothing but love the whole time I was there, so love, family, love. Et je big up le frère Mbali Makasi, durant tout mon séjour, il m'a montré de l'amour. La famille, c'est pas l'amour des maïs, ok? Donc c'est l'amour fraternel, et donc je n'ai que du respect pour lui. Excellent, mon frère. Ça m'a fait plaisir. Donc normalement, comme on en a parlé en off, comme on fait une conférence en septembre vers le 15, j'aurais voulu qu'il vienne, mais malheureusement, le frère sera en Jamaïque.
Donc, on trouvera une autre date pour qu'il puisse revenir et puis qu'on partage un peu ses connaissances et puis qu'il fasse encore le lien avec son public français. I would have loved that you come back because I wanted to do something in September, but I'm aware that you're doing a retreat in Jamaica, so you won't be able to make it. But I look forward to having you again, and it's going to be a real pleasure to see you again because being with you is just such a wonderful experience. I can't wait. Hopefully this year, if not next year, but I'm definitely going to be back there. I'm definitely going to be back in France. So whoever's waiting for that, don't worry. It won't be too long before I'm back there with more knowledge and information, because I always say, like Neely Fuller says, I'm still learning. So every year I feel like I'm learning something new. So every year I feel like I'm becoming more valuable with what I got to share. Donc la famille, ne vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui attendent, je peux vous garantir, je vous donne ma parole que d'ici la fin de l'année, je vais revenir. Et comme Neely Fuller le dit souvent, je suis quelqu'un qui adore apprendre et donc franchement, je vais venir avec de nouvelles informations, si je peux contribuer. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vais venir et je vous en donne la parole. Le seul truc que j'ai regretté, c'est que j'ai pas mangé la dernière fois, j'ai pas mangé mon poulet correctement, mais j'avais un peu honte. Donc... Donc, tu dis au frère, est-ce qu'on pourrait manger un poulet ensemble? Parce que la dernière fois, tu vois, je t'ai laissé faire ton truc, mais là, comme on se connaît bien, est-ce qu'on peut manger au poulet ensemble? Je le provoque. So, now, this is a tricky question, because since you're going to be talking about eating the living, he says that when you came last time at the last conference, he was so ashamed by the knowledge that you were dropping that in the end, he didn't eat his chicken. So he's saying, do you think that there'll ever be a chance one day that he's going to be able to share a piece of chicken with you? Yes. We're going to talk about that tonight. We're going to talk about that tonight because it's not just about food. When it comes on to, we're talking about foods for melanin, it's not just about, it's about consumption. So we can't just focus on food when we're consuming stuff, but we'll go into that in a little bit more detail as the session goes on. Donc, frère Mobali Makasi, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on va parler justement de la consommation. Et quand on parle de consommation, on ne parle pas que de ceux qui rentrent dans la bouche. On parle de la consommation dans le sens le plus holistique. On consomme par la peau, on consomme par les yeux, on consomme par les oreilles. Donc, effectivement, on aura toutes les informations, tous les détails seront donnés. Mais effectivement, on pourra partager ce que tu veux qu'on partage. OK. Bon, mon frère, je sais que tu vas mettre le feu tout à l'heure avec cette histoire de mélanine. Tu vas dire les choses que les Noirs aiment bien entendre, et tous les gens seront contents. Mais tu sais, j'en ai tellement entendu que j'ai envie d'écouter des choses que les Noirs ne veulent pas entendre. Donc ma première question, elle va suivre après, c'est est-ce qu'il y a la face cachée, la face obscure de la mélanine? All right, so brother Leon Marshall, you know, now we're going to be starting. I know that our brothers and sisters love to hear things that are pleasant to their ears, okay? Mm-hmm. But that's not just what I would like to ask, because me, I'm interested in the things that they don't want to hear. So the first question before getting started is there a hidden side? Is there a dark, I'm sorry to say this in this way, but is there a dark side of the melanin? Is there something hidden about melanin that we don't know about or that we don't want to hear about? Quand je dis ça, c'est lorsqu'elle n'est pas entretenue, lorsqu'elle n'est pas entretenue. So when I'm talking about this, I'm talking about when that melanin is not taken care of. You know, people are reckless with it and they are destroying it for lack of knowledge. Yeah. Well, the more you learn about melanin, the more it becomes like you need to. It's like learning about melanin is like understanding your purpose. It gets deep sometimes. Like learning about melanin, you start to understand your purpose and understand why you are placed in this melanated universe. You understand that there's more to you and more to life than what you're living. So sometimes people don't want to go down that journey, that chosen journey. They'd rather just, you know, live in blissful ignorance and just continue with their everyday lives, not realizing that they're made of this substance, this molecule that is literally tied to greatness. So if Whoa. It's tied to greatness, that means you
having this molecule, you should be doing something great in your life as well. And some people don't want to take on that task of having to do something great. They'd rather just, have fun and live their lives. Wow. Donc, je peux te répondre, frère Mobali Makassi, en te disant que c'est comme un cadeau piégé, dans le sens que plus vous apprenez sur cette mélanine, plus vous comprenez la raison, votre mission de vie, pourquoi vous avez été placé ici. Pourquoi? Parce que il dit, you've been placed in a melanated universe. Donc, en fait, on vous a placé dans un univers qui est composé de mélanine. Donc, on vit dans un monde où autour de nous, il y a de la mélanine partout. Il dit que lorsque vous êtes conscient, quand vous avez acquis cette connaissance de cette mélanine, vous comprenez votre mission de vie et vous savez également que vous avez été choisi, parce que le fait de naître Kamit, on vous a choisi pour passer sur un chemin qui mène vers la grandeur. Mais il se trouve simplement que certaines personnes, connaissant cela, vont ignorer, faire semblant qu'ils ne savent pas. Et donc, sachant qu'il y a une molécule qui vous prédispose à de la grandeur, vous choisissez justement à ne pas être grand. Donc, c'est un petit peu ça le piège, qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas savoir qu'ils sont appelés à être grandioses et ils restent dans un monde de médiocrité. Excellent, frère. Essaye un peu pour gagner un peu de temps pour les gens peut-être qui ne savent pas c'est quoi la mélanine. On va d'abord commencer par le béaba et après on va tout à l'heure passer au diapo. Si tu peux nous faire un petit récap. So, before, getting into the deep of this subject, would you please just recap to our brothers and sisters the ABC, the entry level of what it is, melanin? Yeah, so I think the easiest way to understand melanin is to call it. Well, we have to have a definition. And if you go to any of these science books or you listen to people online, the definition can get quite confusing. So I like to keep things super simple. The definition that I like to use is by Dr. Laila Africa. Dr. Laila Africa said that melanin is the chemical key to life. Melanin is the chemical key to life. That means every living organism on this planet needs to have melanin to live. That's from humans to animals to plants to anything that lives in the water. Whatever we're talking about that is living, it has to have melanin to live. So if melanin is the chemical key to life, then that means no melanin, no life. Wow. Absolument. Haché, haché, haché. Oui, donc en fait, je vais commencer par une définition. Et je sais très bien, et la famille le sait également, que les définitions, parfois, elles sont faites pour vous tromper. Il sait, it's confusing. Il dit que lui, il aime garder les choses de la manière la plus simple possible. Il utilise la définition d'un frère repose en pouvoir. C'est Dr. Laila Africa qui dit que melanin is the chemical key to life. Donc la mélanine, c'est la clé chimique de la vie, à la vie. Il dit que tout organisme qui est vivant, je répète, tout organisme vivant a besoin de mélanine. Que vous soyez un être humain, que vous soyez un animal, que vous soyez une plante. Et quand on parle d'animaux ou de plantes, on parle bien des plantes et des animaux marins, aquatiques, qui sont sur la terre. Tout ce qui est vivant a besoin de mélanine. Ce qui veut dire no melanin, no life. Pas de mélanine, pas de vie. Ok. Et qu'est-ce que nous, en fait, est-ce qu'il y a un avantage lorsqu'on est noir avec cette histoire de mélanine? Ou bien c'est une histoire de l'humanité, donc les blancs, les chinois, tout ce que tu veux, c'est pareil, on est tous égaux face à ça, donc il n'y a aucun avantage particulier pour les, entre parenthèses, noirs. So, having said that no melanin, no life, does it mean that for us black people who have got an abundant type of melanin, does it mean that we have an advantage over the other people? Or it simply means that the other people and us, there's no advantage because everybody has got it, because they are also alive, which means that they've got melanin too. Well, it's understanding what we got. So once we understand what we got, then we can take advantage of it. It's the lack of knowledge of what melanin is and what it does that means that we haven't. Imagine if I gave you
gold, like a big nugget of gold. But you didn't know it was a big nugget of gold, and you didn't know what you could do with it. You're sitting on this wealth, not realizing that nugget of gold that I gave you could literally live the rest of your life and live an amazing life with this nugget of gold. But you don't realize what it is and how valuable it is and how you can utilize it. So therefore, it becomes invaluable. So once we realize how valuable it is, yeah, we have an advantage. But a lot of us don't even know what melanin is, let alone what it does. So that means we don't. Haché, haché. Donc effectivement, je commence par te répondre en te disant que le plus important, mon balimakassi, c'est de comprendre ce que nous avons, to understand what we've got. Et un des problèmes que nous avons, c'est le fait qu'on n'a pas cette connaissance. Il dit, à supposer que je te donne de l'or, je te donne de l'or, et toi, tu n'as pas la connaissance que ce que je t'ai donné, c'est de l'or. Pour toi, ça n'a aucune valeur. Donc tu es assis sur une valeur, mais que tu ne reconnais pas du tout. Alors que tu ne réalises pas que ce qu'on t'a donné, c'est quelque chose qui va te permettre de vivre jusqu'à la fin de ta vie sans devoir travailler. Si t'es conscient qu'on t'a remis de l'or, tu sauras le valoriser. Mais si tu ne sais pas que on t'a remis de l'or en main, eh ben tu vas considérer ça comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Et la mélanine, c'est en fait ça. Quels sont les avantages pour les Noirs, s'il y en a? C'est à côté de quoi on passe lorsqu'on fait des mauvais choix dans sa vie, que la mélanine n'est pas entretenue, à côté de quoi on passe? So, having spoken about this, so what are the advantages that we're putting on the side, specifically for lack of knowledge? What are the things that we are missing as a result of not knowing the advantages that we could be having if we knew what was melanin? The advantages are we can get to where we're the best at whatever we want to be at. So the people that utilize it, they don't even know how powerful melanin is, but the people that utilize it, the best example is people that play sport. They're utilizing melanin to its optimum. So they're becoming the best at what they want to do. Now, melanin doesn't just make us good at sport. It doesn't matter what we put our mind to, we can thrive and become the best at. So if you're a writer, or if you're someone who likes to do art, or whatever it is that you're interested in, once you understand how powerful melanin is, especially neuromelanin, the melanin that appears in our brain, neuro meaning brain, melanin, yeah. Once we understand how powerful that is, we understand that anything we put our mind to, we can not only get good at, we can become the best at. Absolutely the best at, because that's how powerful our melanin is. Haché, haché, haché. Alors justement, le fait, Mobali Makassi, c'est que si on connaît, si on sait qu'on nous a remis de l'or, et dans ce cas, c'est la mélanine, alors on sait là où on va aller. Et on sait que justement, on peut être the best of what we want. Donc si on sait qu'on nous a remis quelque chose de cher, quelque chose de vraiment très très bien, eh bien on peut aller où on veut. Et si par exemple on est un sportif, on sait que la mélanine qu'on a, eh bien, on peut l'utiliser pour être le plus grand. Et je ne parle pas que de sport, que vous soyez un écrivain, que vous soyez un journaliste, que vous soyez un musicien, que vous soyez ce que vous voulez. Dès l'instant où vous savez, et là je parle spécifiquement de la neuromélanine, à savoir la mélanine qu'on retrouve dans le cerveau, si vous le savez, eh bien, vous n'allez simplement pas être good at something, pas juste être bon dans quelque chose, but the best at. Vous pouvez être le meilleur dans la discipline que vous avez choisie. Est-ce que cette histoire de mélanine, en fait, c'est juste un truc qui intéresse les Noirs qui sont en quête d'identité là? On subit le racisme, on s'invente quelque chose qui va un peu nous galvaniser dans notre discours, histoire de se sentir un peu existant. Ou bien c'est quelque chose où il y a un consensus scientifique, c'est vraiment. Même ceux qui nous combattent sont au courant de ça, ils le savent bien. Ça, c'est ma première question. Et maintenant, ma deuxième question, si c'est quelque chose scientifiquement reconnu, est-ce que les locodermes, connaissant les avantages, par exemple dans le domaine sportif que tu as mentionné, est-ce que les locodermes, si c'est quelque chose qui s'injecte par exemple, ou lorsqu'ils ont des sportifs noirs, étant donné qu'ils ont
cet avantage? Est-ce que c'est quelque chose qui est stimulé pour avoir des statistiques plus que les autres? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Haché, C'est haché, bon? haché. Yes. Ah OK. oui, j'ai bien compris. So, having said all those things, then the next question to you, brother Leon Marshall, is that could we say that melanin is just a consensus among our brothers and sisters? You know, because we've been beaten down, we've been, people have been against us in all walks of life, and now we are just, gathering around melanin because it's got that feel-good factor, and that's the thing that gives us a certain identity. So that's the first question. Then the second question, so the second part is there something among the science community whereby they are aware of the fact that melanin gives us a certain advantage? And they combat it, they fight against it. And having said that, could we also say that Caucasian scientists, knowing that reality, that they might inject some melanin as a way to gather or to gain a specific advantage, knowing that that melanin gives us a certain advantage, in a certain way, is the fact of putting some melanin inside yourself will stimulate you to go beyond? Ou bien est-ce que les athlètes noirs, étant donné qu'ils ont cette mélanine, donc au niveau scientifique, est-ce que c'est quelque chose qui est stimulé, qui est pour pouvoir avoir des bonnes stat des statistiques excellentes par rapport aux autres? Voilà, c'est ça Yes, que. absolutely. And then could you say that, for example, some athletes, knowing all the things that the science community knows about melanin, is it something that is stimulated among the African athletes in such a way that they can perform even better than what they might normally do? So good questions. Let Ah me ben go oui. back to the first one. First one Excellente about question. Je vais commencer par la première question. Voilà. the first one was about is, melanin just a feel good factor thing, something that we like to talk about just to make us feel Haché. good. All Haché. right, so with that, in a way sometimes it is, but this is the reason why I don't like to talk about it in a feel good way. I talk about it just based off of science. So I'm not like saying things like melanin makes us great and melanin does this. And I'm saying, here's what the science books say about melanin. So in my book, I just reference a lot of Europeans and other people around the world that have done research on melanin. So it's not like Leon Marshall says that melanin makes us great. No, these are Europeans, people who don't have our type of melanin saying, this is what melanin can do, and this is what melanin can't do. So I just present the facts and allow people to just come up with their own conclusions. Donc, à la première question, je te réponds en te disant, effectivement, oui, il y a un élément de se sentir bien, que le fait qu'on se dit qu'on est porteur de cette molécule qu'on appelle mélanine, donc ça fait qu'on se sent bien. Mais moi, je dis simplement ceci, et même je l'écris dans mon livre, je dis que voici ce que dit la science. Ce ne sont pas les sentiments ou les états d'âme de Leon Marshall qui parlent que le fait qu'on a la mélanine fait qu'on est grand, qu'on est les meilleurs. Non, ce sont les data, ce sont les données et ce sont les scientifiques eux-mêmes. Ce sont les blancs qui disent voici ce que la mélanine t'apporte. Donc c'est pas mes états d'âme, c'est pas moi qui dis, mais c'est la science. Et moi je me dis, ils parlent de scientific facts. Moi je donne les faits, les données scientifiques que eux-mêmes les blancs disent par rapport à la mélanine. Donc c'est pas moi, mais c'est eux. Now on to the second question now with regards to other people. So other people would love for us to just talk about melanin in a non-scientific way. Europeans and people who really study melanin, they love it when black people talk about melanin in a non-scientific way because it's easy to debunk. So Europeans, white people will say black. They'll say things like, if melanin makes you great, then how come you're not great now? How come, Exact. statistically, you guys are suffering the most from Exact. diseases? And
economics, and there's such a big economic wealth gap between blacks and whites. If you guys are so great, if you guys built the pyramids and did all this stuff, why can't you do it now? And that's the reason why I don't like going down that melanin makes us great route. I just rather stick to the facts of, you know, scientifically what melanin can do. Because when you just stick to the facts, then they can't dispute it. And the reason why they can't dispute the facts is because the facts come from them. Right. That's the reason why I reference them, because you can't debunk yourself. Like, this is what they've put in their books, or they've referenced in their scientific papers. So all I'm doing is picking out the information from their own scientific papers and saying, all right, according to these guys, melanin can see. Yeah, your skin can see light. This is not Leon Marshall saying you can see. This is Europeans saying that melanin has the same pigment that's in your eye that detects light is in your skin. Whoa. So that's the reason why sometimes you're walking and then you can feel someone looking at you and you don't even know where they are. You turn around and look exactly at them and you know that someone's looking at you. Mm. It's because your skin, your melanin can see. That's not according to me. That's according to the European scientists. So they can't debunk that. Excellent. Yes. And in my translation, I will talk about this. You show in your VIP lectures about these blind men who cannot see, but he can hear the wall. He's blind. He cannot see anything, but he can hear that this is a wall in front of me. This is whatever wood. He can hear the material. So I'm going to say it in French. Donc voilà, je complétais et puis je vais traduire la famille. Donc il dit, effectivement, moi, je n'aime pas parler de cet élément de mélanine parce que ça fait qu'on se sent bien, parce que on se réconforte, etc. Parce que moi, ce que je veux, c'est que si je parle de cet élément de bien se sentir, les arguments, on peut les casser facilement. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me focalise sur l'aspect scientifique. Pourquoi ? Parce que la science, les blancs eux-mêmes ont écrit les avantages que la mélanine vous procure. Il dit « Melanine makes you great ». Donc la mélanine fait que vous êtes grand. Parce que si on tombe sur l'aspect de bien se sentir, les blancs en général, ils viennent, ils vous disent « Oui, mais si vous étiez aussi grand, c'est vrai, vous avez fait des pyramides, des grands empires, etc. Mais si vous étiez aussi grand, mais pourquoi vous êtes pauvre ? Pourquoi vous êtes dans toutes ces difficultés ? Pourquoi la vie n'avance pas chez vous ? Pourquoi vous ne faites pas encore des pyramides encore à nouveau ? Exactement, exactement. Alors ici, je me base sur ce que les scientifiques européens, caucasiens disent, parce qu'ils disent « what melanin can do ». Donc, eux, ils ne peuvent pas se couper leurs sous-pieds eux-mêmes, parce que ce sont les faits que les Blancs ont écrits. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je prends ces éléments qu'ils ont écrits et je les présente devant tout le monde. Et donc, je dis, parce que les Blancs eux-mêmes, ils disent que la peau, your skin, votre peau peut voir. Pourquoi ? Parce que les éléments de la mélanine qu'il y a dans l'œil, on le voit dans la peau. Et donc, de ce fait, la peau peut voir des choses. Est-ce que vous êtes déjà promené quelque part et vous avez le sentiment que quelqu'un vous observe ? Et effectivement, vous levez la tête et vous voyez quelqu'un en train de vous fixer. Alors, j'ai complété en disant que le frère Leon Marshall, il a une session VIP et il montrait un aveugle qui est complètement aveugle, mais a développé une technique parce que dans l'oreille, il y a la mélanine également. Donc, le frère, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, est assis et il peut te dire que devant moi, il y a un mur, devant moi, il y a une pièce de bois, devant moi, il y a une pièce en métal parce qu'il sait entendre ce qu'il y a devant lui. Donc, il entend le bruit du mur, le bruit du métal, du bois, il entend tout ça. Parce que la mélanine lui permet d'entendre. Voilà. Excellent. And then the last question about our athletes, are they kind of tapping into the power of melanin? I believe they are. And here's why I think it works for them. I think that melanin keeps us in harmony with the universe, yeah? And in order for us to be in harmony with the universe,
we need to be doing what we were put on this universe to do. Ashe. So I feel like those sports stars, from a very young age, they've realized or understood what they're here to do. And that keeps their melanin functioning optimally, because there's no confusion inside of their body. There's no, should I be doing this? Shouldn't I be doing this? You know, they're really focused. And obviously, sports stars, they train as well. So it's not about melanin makes us amazing at sport, so we could just do sport. No, those guys train to become what they have become. So that's an analogy for life. It doesn't matter what we're doing. We need to train to become that. So even if you're an actor, you're not just going to go from wanting to be an actor to being one of the best actors out there. You have to train extremely hard. And I feel like when you're training extremely hard on what you were put on this universe to do, when you're following what I call your assignment, we all have assignments. When you're following your assignment. Yes, bro. Can I just add a little comment? I've got a young boy who's very good at drawing. You can give him anything, he's going to be able to draw. And I'm sure that you've seen also some of the young people in Nigeria who can draw a picture and it looks like a photograph. Yes. So when you're talking about training, basically the melanin that they've got in the eye and in the skin, they're able to see a reality and just draw it. Is it what you're talking about? Yeah, but they have to be enthusiastic about that. So if drawing is their passion, if drawing is what really, you know, energizes them, they feel like they're really doing something that they love, then that's going to keep their body, their mind and their soul in harmony. And that's what's going to take care of their melanin, to the point where, going back to what we said at the beginning, like with the food, some of those people can eat the wrong foods but still be okay because their melanin is in harmony because of what they are doing. Does that make sense? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah, haché. Oui, donc frère Mobali Makassi, je vais utiliser l'analogie d'un athlète. La raison pour laquelle les athlètes, et là j'imagine qu'il fait allusion par exemple à un Carl Lewis ou à Usain Bolt ou à Michael Jordan, c'est que ce sont des gens qui sont en harmonie avec l'univers autour d'eux, puisqu'on a bien dit que la mélanine, elle est dans l'univers, et cette mélanine est également dans leur corps. Et comme ils sont en accord avec l'univers, donc ils peuvent exceller, faire des bons comme un Michael Jordan qui saute à des hauteurs. Il dit pourquoi? Parce que ils sont en équilibre, et quand on est en équilibre, eh bien, on ne peut que exceller dans ce qu'on était supposé faire. Par exemple, un ressort est supposé être un ressort, donc ça fait que quelque chose est compressé, puis ça se rétracte. Donc voilà, donc quand on est en équilibre, on fait de la manière optimale ce qu'on est supposé faire. Et il dit que quand on est conscient de ça, we function optimally, donc on fonctionne de la manière la plus optimale possible. Mais c'est pas quelque chose qui vient tout seul. Il faut s'entraîner. Il parle de to train. Donc on n'est pas un Michael Jordan ou un Usain Bolt parce que juste on a les aptitudes physiques, mais il faut en plus de ça s'entraîner et encore s'entraîner. Et je voulais donner l'exemple de ces petits enfants. Moi, j'ai un petit à moi qui est très bon au niveau dessin. Et je lui posais la question, je lui disais, est-ce que c'est de ça que tu parles, qu'il faut s'entraîner? Effectivement, on a vu, chacun a dû voir, il y a des petits enfants au Nigeria, par exemple, qui peuvent te dessiner un dessin tellement bien que tu penses que c'est une photographie. Et il dit effectivement, parce que comme on est connecté, on est en équilibre avec la mélanine qu'il y a en nous, on est en relation avec l'univers, eh bien, on peut faire ces choses comme ça. Donc, il dit, c'est même pour ça qu'on peut voir un Usain Bolt qui peut manger du KFC, mais comme il s'entraîne, il est capable d'avoir de très bons résultats parce que justement, il s'entraîne et il dit que ça, ce sont des choses qu'il faut tenir en tête. J'ai encore deux questions, après on va passer au slide. Alors, ce que j'ai envie de savoir, c'est que est-ce qu'il existe un marché noir? De la même manière qu'on vend des reins, de la même manière qu'on vend certaines choses, des fois spécifiques au noir, est-ce que ça en fait partie? Ça fait partie des choses qui se retrouvent dans le marché noir
où des cadavres de noirs sont dépouillés pour pouvoir en tirer profit, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il y a un circuit là-dessus, ou sinon, c'est pas important et que ça ne fait pas partie? So the question to you is to do with the black market. Is there a black market that exists? It's funny that we have to talk about the black market when we talk about melanin, but you see what I'm trying to say. Is there a market where there are traffics of body parts? You know, there are bodies that are missing, the kidneys taken and sold here and there, or this is something that we shouldn't be worried about? Quand je dis ça, c'est par rapport à la mélanine, hein? C'est pour en tirer, par rapport à la mélanine uniquement. Je parle pas des reins ou des choses connues. Est-ce que sur la mélanine, ça existe, il y a un marché noir là-dessus? So my question is specifically to the melanin, as in the body parts are stolen as a way to collect the melanin that is in there, so that melanin is used by those who need to inject themselves, for example, with that melanin. All right. So when it comes onto that sort of information, again, I like to keep things very scientific. And one thing that I'd like to mention with regards to melanin, it's an unfortunate thing, but fortunate at the same time, is the only reason why we know what we know about melanin is because Europeans have researched it and put it in scientific papers and books. That's the only reason why we know. So anyone who we followed in the past, whether it was Dr. Leila Africa or Dr. Richard King or Carol Barnes, all of these people got their information from Europeans. Sounds bad, but we get all of our information about melanin from Europeans. And the reason why they know about melanin, Europeans, because you think we're the ones who have it, why don't we know more than them about what we have? The reason why they know more than us is because ever since they've come into contact with us, going all the way back to ancient Kemet, they have used us as experiments. So they've taken our bodies, going all the way back to them extracting the mummies out of the pyramids, and then they do experiments on them. They cut up the head, they cut up the skin, and then they experiment. The only reason why we know that there's melanin in the brain is because they had a melanated person and sliced open their head and went into the brain. That's the only reason why we know. Yeah. Haché. Donc effectivement, frère Mobali Makassi, la mélanine, il dit it's fortunate and unfortunate. Donc la mélanine, c'est quelque chose qui a son côté positif, mais en même temps, c'est quelque chose qui a son côté négatif. C'est un peu triste de dire ça comme ça, et c'est ce que tu dis, Mobali Makassi, toi aussi, souvent, que si on a appris à propos de Kemet et des momies et tout ça, c'est pas nous qui avons recherché. Ce sont ces gens-là qui ont recherché. C'est pour ça qu'on parle de ce qu'on nous parlons aujourd'hui. Il dit, malheureusement, c'est comme ça. Les gens comme Leila Africa, les gens comme Richard King, les gens comme Carol Vond, toutes ces personnes des Kamites qui ont parlé de ce sujet, n'ont pu avoir accès aux informations que parce que ce sont les Européens qui ont recherché cela. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, nous savons ce que nous savons parce que les Blancs l'ont fait. C'est eux qui nous ont étudiés. C'est eux qui ont coupé nos crânes pour voir ce qu'il y avait dedans. C'est eux qui, en coupant les crânes, ont vu qu'il y avait de la mélanine dedans. C'est eux qui ont accès aux momies. Et dans les momies à Kemet, ils ont vu qu'il y avait des choses qu'il n'y avait pas, par exemple, chez eux. Donc, c'est grâce aux Européens que nous savons quelque chose que nous avons en nous, qu'on pouvait étudier, mais on ne l'a pas fait. Mais c'est eux qui nous ont étudiés, et c'est comme ça qu'on sait ce que nous savons. So because of that, we have to, unfortunately, rely on what information they give us. And sometimes they slip up. So, in 1951, there was a black woman who was suffering from cervical cancer. She had some pancreatic cancer. She had cancer of the pancreas. She went into a hospital in Baltimore, America. And those doctors, when they were doing the biopsy, they took some of her cells. Is it Arietalax? Yeah. Okay. They took some of her cells and did experiments with her cells.
And then they found out that her cells were what they call immortal cells, which means her cells started to clone themselves and multiply after she died. Yeah. So since then, this was 1951. Since then, they've been using this black woman's cells for nearly every scientific breakthrough that's ever happened. Every scientific breakthrough, from chemotherapy to polio vaccine to what was the other one? They used her cells for space travel. They put her cells in a space shuttle and launched it out of space just to know what human cells would do in out of space. So her cells were the first cells to go out of space. Yeah. They've used her cells for IVF. So all of the people who are struggling to get pregnant, all of the women who struggle to get pregnant, they owe their IVF treatment to a black woman named Henrietta Lacks. To this day, they still use her cells for scientific purposes. Yeah. She died in 1951. And to this day, they still use her cells. Yeah. Now, when I tell people that story, they say, well, what was so special about Henrietta Lacks? And I say, nothing. She was just a black woman. In other words, I believe all black women's cells can do that. So if that's the case, that is the reason why certain times you'll find we go missing. And then when we turn up, our organs are missing and that sort of stuff, because we have those immortal cells. And I'm not saying everyone has it, because again, I can only go with science. They let that one slip. They didn't want us to know about Henrietta Lacks. We now know about Henrietta Lacks. Using common sense though, you'd say Henrietta Lacks is not the only one who has those types of cells. Haché. Oui, donc frère Mobali Makassi, alors moi ce que je dis souvent, c'est que il faut juste voir les informations qu'il y a autour de nous. En 1951, il y a une sœur qui s'appelle Henrietta Lacks. Elle, qu'est-ce qui va se passer? C'est une femme qui souffrait, elle avait un cancer du pancréas. Elle va mourir, son corps est donné à la science, on fait des biopsies, on coupe dedans, on voit dedans, et qu'est-ce qu'on retrouve? Quelque chose qu'on avait déjà parlé avec le frère Nzobe. On parle de ce qu'on appelle immortal cells, donc des cellules immortelles. C'est-à-dire que ce sont des cellules qui peuvent se cloner et fabriquer et se fabriquer sans cesse. Il n'y a pas de limite. Eh bien, je peux vous le dire que toutes les recherches scientifiques qui ont montré un progrès, que ce soit en termes de chimiothérapie, en termes de vaccins contre la polio, des tests pour avoir une grossesse, toutes les avancées qui ont été faites de manière scientifique, c'est grâce au fait qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui les cellules de cette maman, de cette sœur qui s'appelle Henrietta Lacks. Stop, frère. Je veux que tu le dises très fort. Je vais mettre un pull-up juste pour attirer l'attention. Ça, c'est une information capitale. Ça, c'est capital, frère. Donc, tu vas reformuler ça et tu vas bien dire le nom là. Je répète, en 1951, une maman aux États-Unis qui s'appelle Henrietta Lacks, donc la famille, vous tapez Henrietta Lacks, elle meurt en 1951, les médecins prennent son corps, on fait des biopsies, donc on coupe dedans, et qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur ce qu'on appelle des cellules immortelles, donc à savoir, on en avait parlé avec le frère Nzobe, c'est que des cellules qui ont la capacité de se multiplier à l'infini. Donc, non seulement elles se multiplient, mais elles peuvent fabriquer n'importe quoi. Voilà, donc c'est des cellules qui peuvent devenir ce qu'elles doivent devenir. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que tous les progrès en termes de science qui ont été réalisés à ce jour, et une chose qu'il n'a pas dite, que je vous dis la famille de Henrietta Lacks n'a reçu rien du tout, zéro. I'm just telling that the family of Henrietta Lacks didn't receive any compensation. You didn't say it, but I'm adding it. Donc la famille, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu une interview de la famille, c'est les petits-enfants de cette maman, ils n'ont reçu aucun penny. Ils ont gagné des milliards en utilisant les cellules de cette maman, leur maman à eux. They still make money to this day. So the family gets nothing and they are still making money from Henrietta Lacks' cells to this day.
Donc la famille, oui, donc il me complète jusqu'à aujourd'hui. Les recherches dans les laboratoires, etc., se font de la thune à terme de milliards quand il y a des vaccins, des traitements anciens. Et la famille, jusqu'à aujourd'hui, n'a rien reçu. C'est pour ça que nos mamans qui donnent naissance, d'ailleurs même, brother, do you know, I'm just adding something. I had a tooth extraction last Monday. I completely forgot. They extracted my tooth and I didn't take it back. So they've got my genes at the dentist. Donc je retire la famille. J'ai eu une extraction dentaire lundi passé. J'étais tellement dans cette douleur, j'ai oublié ma dent qu'ils ont enlevée. J'ai même pas réclamé. J'ai oublié et ma dent est restée là-bas. Donc ils ont Ils vont mon. faire de l'argent avec ta dent pourrie. Ils vont créer des vaccins avec ça. C'était pas une dent pourrie, j'étais dans un taxi, il y a eu un accident, on m'a cogné derrière, j'étais dans un Ah taxi, ouais? et la dent devait être enlevée, et donc j'ai même pas réfléchi, donc ma dent, donc mes gènes ont été utilisés, maintenant je sais pas dans quoi. Ouh Bref, là là. donc la famille, donc les tests de grossesse, ils ont même pris les gènes de cette maman, ils l'ont envoyé dans l'espace pour essayer d'étudier ce que le corps fait quand il est envoyé dans l'espace. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette maman? Eh bien, justement, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que si Henrietta Lacks a ses cellules immortelles et qu'elle n'est pas spéciale, ça veut dire que toutes nos sœurs, toutes nos mamans ont ces cellules immortelles. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un tremblement de terre, des corps disparaissent. Et quand on retrouve les corps, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il manque Des pièces ci, manquantes. il manque des pièces manquantes. Il manque le foie, il manque les reins, il manque ci, justement parce qu'ils savent qu'il y a ces problèmes. Et moi, j'ai une extraction dentaire lundi passé. Dans la douleur, j'ai oublié. Ma dent, ben, il y a les gènes qui ont Eh été oui, pris. mon pote. Ça m'énerve, bref. And so when it comes to the black market, I'm so glad you said that you got your tooth extracted because even though I know, they won't admit that there's a black market with regards to stealing our melanin, but they don't have to steal it. They literally take it right in front of our eyes. Every time we go to the hospital, they take our melanin. Oh. Melanin is not just in your skin. Melanin is in your organs, it's in your blood, it's in your brain, it's in your teeth, it's everywhere. So you see, Brother, don't every say time it. you go to the Brother, don't say it hospital anymore. and they Stop it. draw your blood, Stop every it. time Stop they it. draw your blood, you're giving them the chemical key to life. Ooh la la. Every time a ba every time a black woman has a baby and Yes. they take her placenta, you're giving them the chemical key to life. You're just giving it to them. They don't, there doesn't even need to be a black market. We just willingly give them our melanin. Like, can I take your blood? Yes, you can take my blood. Can we take your organs for organ donation? Can we give your organ to someone else if you die? Yeah, sure. Take my organs. Take it. Yeah. So Yeah. they don't even need to steal it from us. They just take it in front of our eyes, and we have Wow. no clue. Haché, haché. Donc la famille, effectivement, il n'y a même pas besoin d'avoir un marché noir, des produits, des pièces manquantes, comme le frère Mobali Makassi, il dit pourquoi? Parce que the chemical key to life, donc cette clé chimique à la vie, on la retrouve partout, dans le sang, dans le placenta. Nos mamans qui donnent naissance, elles laissent le placenta là-bas et elles ont tout donné gratuit. Donc les médecins, la communauté scientifique ne doit même pas voler les choses. Pourquoi? Parce qu'on le leur donne gratuitement. On fait une petite biopsie, on vous prend un peu de votre peau, c'est donné. Il y a un organe, vous dites que vous allez être donneur d'organes si jamais il y a un accident, on vous donne le foie, les reins, mais ils l'ont pris. Ils viennent, ils vous disent, monsieur, est-ce qu'on peut vous faire une prise de sang? Vous donnez votre sang, et ils vous l'ont pris. Moi, j'ai une extraction dentaire, j'ai oublié de demander ma dent, mais c'est donné. Donc tout ça fait que ils n'ont même pas besoin de le voler. On le leur donne parce que, voilà, dans mon cas, dans la douleur, j'ai pas réalisé, ma dent, ben, c'est donné cadeau. Bon frère Léon Marshall, honnêtement, qu'on se dise les choses, tu peux me le dire. Hein? C'est pas la peine de dire des choses comme ça, tu vas me faire plaisir. Dis-moi les choses. En vérité, moi je pense que cette histoire de Mélanie là, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine parce qu'en vérité, les petites choses que ça nous donne, comparé à ceux qui n'en ont pas, c'est vraiment du pipi de chat.
Je te le dis honnêtement, hein. Tu peux dire la vérité, mon frère. Parce que les Chinois, ils n'en ont pas. Regarde tout ce qu'ils ont bâti, regarde toutes les innovations, regarde les brevets. Les locodermes n'en ont pas, apparemment. Et regarde tout ce qu'ils ont fait. Et nous, on en a plein. Tout ce qu'on fait, apparemment, c'est dessiner, comme a dit le frère. Apparemment, on fait des beaux dessins, mais ça ne change pas le cours de l'histoire. Ce n'est pas avec ça qu'on va devenir une seconde puissance, ni économiquement, ni militairement, ni tout cela. C'est amusement sur amusement. Donc, quelque part, mon ami, est-ce qu'il y aurait peut-être plus d'avantages à se débarrasser de la mélanine, parce que visiblement, quand on n'en a pas, c'est là où on fait des progrès. Dis la vérité. This is the cool, c'est mon bali. Ah, No. This is Mobali Makasi asking the question. He's saying, Brother Leon Marshall, maybe you really have to give us the honest truth. Having that melanin doesn't give us any unfair advantage, because look at the Chinese, look at the Caucasians. They don't have the melanin as we do. It seems to me that the less melanin you've got, the more you are able to have all those progress, because we don't have an economic advantage. We don't have a military advantage. Maybe I'm telling you, we need to start getting rid of that melanin. Maybe he's talking about bleaching your skin, that kind of thing. Because comme Michael Jackson, regarde le succès. Quand il avait la peau noire et quand il est passé en mode sans mélanine. Le succès, le vent des disques, c'est pas les mêmes. Donc peut-être que mon frère, peut-être qu'il y a un avantage aussi. Look at Michael Jackson. When he was a black man, he was successful. But when he bleached his skin, look at how megastar he became. So, you know, he was selling more, you know, more contracts and more music. So maybe less melanin, you know, this is the best thing to do. Yeah, maybe that is. The only thing is, those people with less melanin, even though they're doing better in life, they all survive off of our melanin. So, for example, the Chinese, why are they in Africa? Why are they in Jamaica? It's the same with the Europeans. If you look at how they made their money, obviously, you go back to slavery, they made their money. But since then, they control all of the big industries. Why do they control black music? Why do they control sports? If we're so dominant in this, why don't we just take over the whole of sport and take over the whole of music? It's because these people who don't have melanin understand what, unfortunately, a lot of us don't understand, which is that melanin is the chemical key to life. So whether you have it or not, you have to go after it. So the people who don't have it, those are the people who are running towards it. What's funny is the people who do have it, they're the ones who are running away from it. Michael Jackson. Right. Donc, en résumé, moi, je te dis simplement ceci. C'est assez ironique. Ceux qui n'ont pas de mélanine, ils passent toute leur vie à courir derrière cette mélanine. Soit courir après elle ou la contrôler. Et curieusement, ceux qui ont la mélanine, donc ceux qui ont l'or, mais qui ne réalisent pas que c'est de l'or, eh bien, ils veulent s'en débarrasser. Alors moi, je dirais simplement ceci. Les Chinois, ils sont en Afrique. Les Européens, ils sont également en Afrique. Pourquoi ces gens-là veulent contrôler le sport? Pourquoi ces gens veulent contrôler la musique noire? Il ne l'a pas dit, mais je vais raconter. Il y a une séquence qu'il y a sur YouTube où il y a un journaliste blanc qui pose la question à un reporter et il dit pourquoi, ça c'est aux États-Unis d'Amérique, pourquoi il n'y a pas de reporters noirs en grand nombre comme il y a des reporters blancs? Et ce monsieur blanc répond, il dit, mais si les noirs sont bons en sport et qu'on les laisse présenter le sport, nous, il nous restera quoi? Tu vois? So I'm just adding a little comment that you put in one of the sequences where the white journalist asked the question, why there are no black newscasters for sports? And the guy said that if we let those people in, what is left for us white people? Meaning nothing. Yeah. Ouais, exactly. Mais ton exemple, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'à un moment donné, il faut quand même choisir. C'est un peu comme s'il y a un gars, il est tout fétiche, mais je veux dire, il a tout le temps les poches pleines. Tu sais, à l'école, tu sais, les gens qui avaient tout le temps un peu de monnaie, là, qui ont tout le temps de l'argent dans leur poche, là. D'accord ? Mais tout le temps, il se fait racketter par un gars qui est pauvre, mais qui est costaud. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux être costaud et être pauvre, mais prendre l'argent de ceux qui sont riches ? Ou tu veux être riche et te faire racketter par ceux qui sont pauvres ? Moi, à la rigueur, si tu veux, je préfère ne rien avoir, être costaud et racketter ceux qui ont. Je préfère ça. Que d'être de revoir tout
et me faire acquitter par ceux qui n'ont pas. Et nous, on a la mélanine, on n'a pas les moyens. Et ceux qui ont les moyens, ceux qui... Vas-y, frère, dis-lui pas. So, the example that I gave is, I gave Brother Mobali Makasi doesn't find it valid. You know, when I talked about this guy on television with the interview, that why we don't have that many number of journalists who are black and who talk about sports. And he says that it's not a valid example. He says that he, in his reality, in his world, he would rather be poor, but build with muscle so that he can attack those who have got something and take advantage of it, rather than, you know, be the one who has got the melanin, he cannot even defend it, so that he's at the mercy of those who are powerful in terms of, you know, military power or whatever, and they can take it from them. Yeah, so that's what a lot of us do. So we, because they've programmed us to look down at being black and melanin and darkness and that sort of stuff, we're like, oh, if we can't beat them, let's join them. That's what a lot of us are doing. So a lot of the music stars, they literally turned, Michael Jackson went from a black man and tried to turn into a white woman. Yeah, so a lot of, and our black, the black female artists, they start to get blonde hair, their skin starts to get lighter, and they become more successful in that way, yeah? But my thing is, if you're gonna copy them, then copy them all the way, innit? Copy them all the way, don't just copy how they look. Might as well copy how they behave as well. So if you're gonna copy them, then you might have to start eating each other. That's what the Europeans do. Europeans are cannibalists, yeah? So if you're gonna copy them, you're gonna have to start eating each other. If you're gonna copy them, then, you know, homosexuality. Yeah, sorry, you might have I said to get it. Into sorry, that. You might have to déjà commencé. That. Or children, you know, get into that children. So if you're gonna copy them, copy all of that stuff as well. And if you're gonna copy them, then you might as well get rid of all of your melanin and have no rhythm whatsoever, because we can't say that we don't want this melanin, but we still want to be able to dance and vibes and all that. If you want to get rid of melanin, get rid of all of it. All of that stuff would have to go as well. So all that Afrobeat stuff that is big right now, that has to go. All of them dances that you guys are doing and making up, that has to go. TikTok. Right. TikTok would have to go. Because the only reason why TikTok is big is because of us doing our dances on there. So all right. of that stuff would have to go if we're really going to follow them and be like them. Haché. Oui, Mobali Makasi, moi je trouve que ta réponse par rapport à ce que tu as dit, être costaud, comme ça on peut prendre à ceux qui n'ont pas, il dit ça c'est justement le syndrome de ceux qui sont comme nous programmés à détester ce qu'on a. Donc on a de l'or en nous, mais on ne le valorise pas, on préfère ne pas l'avoir, plutôt être costaud, comme ça on peut prendre à ceux qui ont. Il dit, alors dans ce cas, let's join them. Donc dans ce cas, ben devenons comme un Michael Jackson, qui est parti du fait qu'au départ c'était un homme noir, il a terminé comme une femme blanche. Alors il dit, c'est pour ça qu'on se retrouve. Non mais je suis sérieux là. Arrête de rire. Excellent. Arrête de rire. Donc c'est pour ça qu'on voit parmi nous des artistes qui ont des perruques qui sont en blonde. On a des gens qui ont la peau qui est beaucoup plus claire. Effectivement, quand ils ont la peau plus claire, ils mettent des mèches blondes, ils ont plus de succès, etc. Mais moi, je dis ceci. Si vous voulez copier ces gens, mais il faut les copier à la lettre 100%. OK? Et dans ce cas, ben, vous devez copier leur comportement, les manières. Vous devez commencer à devenir cannibale. Donc, mangez-vous entre vous. Vous devez commencer à manger le maïs. Vous devez commencer à manger le maïs de vos enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut faire tout comme ces gens-là. Et si on veut se débarrasser de sa mélanine, mais il faut aussi accepter de ne plus avoir de rythme. Il faut aussi accepter de ne plus avoir les fesses plates. D'avoir les fesses plates. Les sans lèvres. Exactement, parce que il faut même arrêter TikTok, parce que c'est dans TikTok justement qu'on voit nos frères et sœurs qui font les danses et tout ça. Donc arrêter TikTok, arrêter les afrobeats, donc tout ce qui est lié à la mélanine, ben laissez tomber et devenez comme les autres. Voilà. Bon, Maréchal, j'ai gagné un peu de temps, histoire que tout le monde s'installe, que le Bissap soit prêt,
que les bananes plantains sortent de la... Il ne faut pas que je dise de l'huile, parce que sinon, il ne va pas aimer. Que les bananes plantains, même pas bouillies à l'eau, sortent du truc. Tout le monde m'a dit 5, tout le monde m'a dit, Mobali, c'est bon, on est prêt, on est à table. Et maintenant, nous allons écouter les diapos, parce que ça va parler de bouffe, de mélanine. Mon frère, c'est à toi de jouer, c'est quand tu veux. So, brother Leon Marshall, so we took this time just to do the introduction. Now I'm going to tell my brothers and sisters to, you know, get ready to get their favorite drink next to them. That maybe so those who want to have their chicken wing. Oh, sorry, I shouldn't be saying that because Leon Marshall is watching. So I'm just telling them to get whatever healthy that is just to get ready so that we can get started. All right. So shall I share my screen? Yes. Get your pens and papers ready. Donc, and les frères, prenez votre bic et un bloc-notes et soyez prêts. And okay. I am ready, brother. Tu es prêt? Je suis prêt, frère. Yes. Okay. On est prêt aussi. On y va. C'est parti. So we've got an 8 seconds delay, but you can start talking already, brother Leon Marshall. We can see the foods for melanin slide. You can see it, yeah? Yes. Okay. All right. So I'm going to be going through the foods for melanin. So I'm going to go over the best foods to eat, the importance of pigments, and the importance of hydration. All right. So first things first, we need to understand that there are different types of melanin. There is plant melanin, but and we're going to go over the different types of plant melanin, but in humans there are three different types of melanin. I've already mentioned one, which is your neuromelanin, which is the melanin that you find in your brain. Yeah, neuromelanin, that's the melanin that is in our brains. Then in our skin there's two main types. You have eumelanin and pheomelanin. Eumelanin comes in black and brown. It's a pigment that comes in black and brown. The more eumelanin, the darker the skin. And then you have pheomelanin, which is a pigment that comes in red and yellow. And the more pheomelanin, then the more red and yellow pigment that would be in that human being. Haché. Donc, au cours de cette soirée, je vais donc parler de cette mélanine et je vais parler des meilleurs ingrédients qu'on devrait consommer pour nourrir cette mélanine. Je vais parler des pigments et donc de la pigmentation et je vais également parler de l'hydratation, donc consommer du liquide. Alors, on parlera de la mélanine contenue dans les plantes. Mais je vais également parler de la mélanine contenue chez les êtres humains. J'ai déjà parlé d'un premier type qui est la neuromélanine, qui est donc la mélanine que l'on retrouve dans le cerveau. Et puis je vais également parler des deux autres types restants, à savoir la eumélanine, à savoir c'est la mélanine, si vous en avez en grosse quantité, vous allez avoir une couleur qui sera soit noire, soit brune. Et puis l'autre type de mélanine qui est contenue dans la peau, c'est pheomélanine qui, elle, si vous en avez en grosse quantité, vous avez une tendance au rougeâtre ou jaunâtre. All right. So, those are the two main types of melanin, eumelanin and pheomelanin. Now, what I'm going to be going over is the foods for eumelanin. Donc, ce soir, je vais parler de la nourriture pour nourrir votre U-mélanine, donc votre mélanine U, donc celle qui vous donne votre couleur noire ou brune. All right, so we spoke about what melanin is. It's the chemical key to life. And what we need to understand is it can absorb pretty much everything in this electromagnetic universe that we live in. So we need to understand electromagnetism. Melanin is like a black hole and it absorbs electromagnetic energy. Melanin is like a black hole and it absorbs electromagnetic energy. Donc, j'ai déjà expliqué ce que c'est que la mélanine. Donc, on sait que cette mélanine, c'est la clé chimique à la vie. Et sachez que cette mélanine absorbe absolument tout dans cet univers qui est électromagnétique. Donc, la mélanine, c'est en fait un trou noir qui est capable d'absorber absolument tout
ce qu'il y a autour de nous. So once we understand that melanin absorbs electromagnetic energy, then we'll be able to understand that the main electromagnetic energy that it absorbs is light. Light is the main electromagnetic energy that melanin absorbs. Donc, dans cet univers électromagnétique, il faut savoir que, comme j'ai dit auparavant, la mélanine absorbe cela, mais sachez que l'énergie électromagnétique la plus importante, c'est la lumière. Donc, la mélanine est capable d'absorber cette lumière. So, to understand that, we need to understand the electromagnetic spectrum. So the electromagnetic spectrum is a spectrum that shows us all of the electromagnetic frequencies known to man in the universe. So you've got here radio waves, radar, microwaves, infrared rays, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, cosmic rays. The radio waves, radar, microwaves, and infrared rays, those are low frequency. And then ultraviolet, X-ray, gamma rays, cosmic rays, those are high frequency. Donc, j'ai expliqué ce que j'ai expliqué. Maintenant, ici à l'écran, vous voyez le spectre électromagnétique. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un recensement de toutes les fréquences qui existent dans l'univers et qui sont également connues de l'être humain. Ça va d'un côté aux fréquences les plus basses, donc on va retrouver les radars, on va retrouver l'infrarouge, etc. Et de l'autre côté, on va voir les fréquences les plus hautes, à savoir les rayons X, les rayons cosmiques, les ultraviolets, etc. So, because the low frequencies and the high frequencies our naked eye cannot pick up those light frequencies, they appear black. And in science, black light is considered invisible light because it cannot be seen by the naked eye. So when you look at this spectrum, radio waves, radar, microwaves, infrared rays, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, cosmic rays, they're all in black. In other words, black light, which in science they call invisible light. Haché. Donc, comme j'ai expliqué au départ, il y a des fréquences qui sont hautes, il y a des fréquences qui sont basses, donc low frequency et high frequency. Et il se trouve que les fréquences, par exemple, qui sont hautes ou les plus basses, on va les retrouver avec représentées avec la couleur noire. Et on représente cela, c'est un accord en fait, que tout ce qui n'est pas visible est représenté par la couleur noire. Ça veut dire que ce sont des spectres qui ne sont pas visibles à l'œil nu. They cannot be seen by the naked eye. The only part of the spectrum that our naked eye can see is what they call visible light, which is these colors here: red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. It's the smallest section of the electromagnetic spectrum, and it's the only way our eye sees light. Donc, comme on est bien d'accord que d'un côté les fréquences hautes, de l'autre côté les fréquences basses, on ne peut pas les voir, donc la convention c'est qu'on les représente avec la couleur noire parce qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Les seuls éléments du spectre visibles, c'est vraiment une petite partie, eh bien, ce sont celles qui sont représentées avec ces couleurs que vous avez à l'écran. Ça va du rouge, ça passe par la couleur orange, puis ça va vers le jaune, puis ça va vers le vert, puis le bleu, l'indigo, le violet. Cette petite partie-là est visible parce que dans l'œil, on a des éléments qui nous permettent de voir cette petite partie du spectre. Et les autres, à gauche et à droite, ça reste invisible à l'œil nu. Now, the only reason why either side of visible light is black is because the light that is there is being absorbed fully, you know, like a black hole. The light is being absorbed fully, and that's why it appears black. The only reason why we can see visible light, the different colors in visible light, is because it's not being absorbed fully.
Haché. Alors, la raison pour laquelle, de part et d'autre, dans les hautes fréquences et dans les basses fréquences, on voit du noir, ou en tout cas, c'est représenté en noir, c'est parce que cet aspect du spectre est absorbé pleinement. Donc, c'est parce que c'est absorbé complètement que c'est représenté en noir. La seule raison pour laquelle l'œil peut voir la partie du spectre qui est visible, c'est parce que cet aspect-là, cette partie-là, elle n'est pas absorbée complètement. C'est pour ça que ça réfléchit dans l'œil et on voit les couleurs que nous voyons. All right, so the only reason why we see visible light is because it's not being absorbed fully. If it's not being absorbed, that means a part of it is being reflected. So when we look at food or plants, the reason why they appear in the visible light colors is because that plant is absorbing all of the light from the visible spectrum except the light that we're seeing. So in this example, we've got a green leaf. That green leaf is absorbing all of the visible light from the sun, which is electromagnetic energy from the sun, all of the visible light from the sun, except for green. Green is being reflected back to our eye, and that's why we see green. Donc, vous avez vu qu'il y a la partie invisible à l'œil nu, donc qui est noire parce que tout a été absorbé. Et puis il y avait la partie du spectre où il y a les différentes couleurs, donc c'est rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, etc. Donc, ce qui fait que dans l'univers, vous avez le soleil en plein ciel, et puis on a un objet d'une couleur quelconque. Ici, à l'exemple, à l'écran, nous avons une plante. Il y a des feuilles et la feuille est de couleur verte. Donc rappelez-vous qu'il y a ce spectre visible avec les couleurs qu'on peut voir à l'œil nu. Pourquoi est-ce qu'on voit une feuille verte? C'est parce que dans le spectre visible avec toutes les couleurs que vous avez déjà vues, ça veut dire que toutes les couleurs ont été absorbées, excepté la couleur verte. C'est pour ça qu'on voit cette feuille verte parce que toutes les autres couleurs ont été absorbées, sauf le vert. Et donc le vert est réfléchi dans la rétine et c'est pourquoi l'œil voit le vert. So if you understand that, you'll understand why we see red. The reason why we see red, if we're looking at a red apple, the reason why we see red is because that red apple is absorbing all of that electromagnetic energy from the sun, all of those visible colors, except for red. Red is being reflected back to our eye. Donc, exactement, si on doit extrapoler, voici une pomme rouge. Pourquoi on voit la pomme rouge? Ben, c'est simple. Le spectre électromagnétique noir, c'est parce que tout a été observé. Mais ici, la pomme, elle est rouge. On la voit rouge parce que dans le spectre visible, le bleu, l'indigo, le violet, le jaune, l'orange, tout a été absorbé, excepté le rouge, et c'est pour ça que le rouge nous saute à l'œil, ça touche la rétine, et on voit cette pomme, on dit cette pomme est rouge. Attends, juste pour comprendre, est-ce que, en gros, qu'est-ce qu'il veut dire? Que les couleurs, ce sont qu'une, comment on appelle ça déjà? Une illusion, que tout cela n'est qu'une perception, où les couleurs existent vraiment? Parce que là, il faut que je comprenne un peu. Brother Mobali Makasi, he's trying to understand. Are you trying to say that there's an illusion? Or because he just wants you to clarify the reason why we see colors in a certain way. Is it an Yeah, illusion? you could say it's an illusion, but it's that red apple has all of the different light energies within it, except for red. The Donc en green fait. plant has all of that energy, all of that electromagnetic energy, except for green. Donc, tout ce que tu vois, en tout cas, les couleurs que tu vois, c'est que tu vois toutes les couleurs, excepté la couleur qui n'est pas dans qui n'est pas absorbée dans le spectre. Donc, dans le cas d'une pomme rouge, eh bien, toutes les autres couleurs ont été absorbées, excepté le rouge. Et comme ce rouge n'a pas été absorbé, c'est pour ça qu'il est reflété
dans ton œil. Pareil pour une feuille verte, tu la vois verte parce que toutes les autres variances de couleur ont été absorbées, excepté le vert. Donc le vert te saute à l'œil et tu le vois. Ok. Mais pour les couleurs que nous produisons en tant qu'être humain, comment ça marche? Parce que là, tu me dis par rapport au soleil, mais les couleurs que nous produisons, tout ça, c'est une illusion ou bien c'est comment? Parce que là, pour moi, ça a l'air un peu flou. Peut-être que je suis fatigué. So, Brother Mobali Matati said that maybe he's tired. That's maybe he's not getting it. So how about the colors that we humans produce? The melanin. Quand tu parles de couleurs que nous produisons, tu peux donner un exemple spécifique. Les artistes, quand je peins un tableau, je produis des couleurs. Bon, là, c'est pas une réflexion par rapport au soleil de patati patata. Je produis des couleurs. Je décide de faire du bleu. Je mélange telle couleur et telle couleur. Je fais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je veux comprendre un peu parce que là, j'avoue que je suis un peu perdu par rapport à son histoire. So, Brother Mobali Makasi says that he's a little bit lost, so he wants some clarification. So, me, imagine that I am an artist. And I decide to make a painting or whatever I need to do. And I'm mixing colors, you know, inventing colors. And how do I see those colors that I have invented myself? Okay, so that's different. That's not electromagnetic energy. If you're doing it with paint, that's being created. Electromagnetic energy, so when we go back to this, this is coming from the universe. This is coming, the visible light is coming from the sun. Yeah, that's different to paint. Paint is created by a human. This visible light that we're talking about is coming from the sun. So when it shines down on the planet, the colors that we see are a reflection of things. Now, before, because it can get a little bit confusing, the easiest way to understand this is to answer these types of questions. So, Brother Mabali, if you was looking at this green plant, yeah, and you can see that it's green because what I said is the green light is being reflected back to your eye. Here's the question that will prove whether or not you understand what I've been saying. If that plant was absorbing all of the light, all of the visible light, what color would the plant be if it was absorbing all of the visible light? Donc, wow. Frère Mobali Makasi, je te repose la question. Brother, could you go back to the previous slide because I want to explain something. OK, Frère Mobali Makasi et les frères et sœurs qui nous suivent. Vous voyez tous à l'écran qu'il y a les fréquences basses à gauche et les fréquences hautes à droite et tout a été absorbé. C'est pour ça qu'on voit la couleur noire. Et vous voyez que lorsque le soleil est en plein ciel, les couleurs qui font partie du spectre visible à l'œil nu, sachant qu'il y a des forces électromagnétiques, les seules couleurs répertoriées dans la nature, c'est pas une invention de l'être humain, c'est les couleurs qui vont des couleurs chaudes aux couleurs froides. Donc ça va du rouge avec les différents, comme Francesca Welsing disait, shades of. Donc toutes les couleurs avec des variances de cette couleur du chaud au froid. Donc on va du rouge qui est supposé être très chaud jusque vers le bleu qui est supposé être froid, et entre les deux, il y a les différentes nuances, donc qui sont le jaune, etc. Donc, Mobali Makasi, pour être clair, brother Leon, could you show now the leaf, the green leaf? Donc, frère Mobali Makasi, puisque on est en train de parler de quelque chose qui n'est pas une perception individuelle, mais quelque chose de concret, là, tu es en train de voir une feuille verte. À supposer que toutes les couleurs du spectre visible étaient absorbées. Selon toi, cette feuille aurait quelle couleur? Noir. Black. He said black. Right. Exactement. Oula, j'ai eu chaud. If the red apple was absorbing all of these electromagnetic frequencies from the sun, what color would the red apple be? Donc, même question, frère Mobali Makasi. Maintenant, prenons cette pomme. Si toutes les couleurs du spectre visible étaient absorbées, cette pomme serait de quelle couleur? Noir aussi. Black again. Okay. So now, hopefully, we can understand that all of these fruit, all of these plants that we're seeing, whether it's a green leaf or a red apple or blueberries, yeah? Mm-hmm.
they are a lesser form of blackness. Does that make sense? Oula. Donc, tout ça pour dire que toutes ces variances de couleurs que nous avons, il dit, it's a lesser form of blackness. Tout ça veut dire que si les couleurs étaient absorbées complètement, on ne verrait rien à l'œil nu, ce serait noir complètement parce que tout a été absorbé. Tout ça pour dire que on voit les couleurs parce que c'est lesser form of black. Donc, ça pouvait être noir, mais ça ne l'est pas. Parce que justement, une petite partie est encore perçue, et c'est pour ça que c'est a lesser form of black, c'est une petite variation C'est de un noir. dégradé de noir, c'était du noir Voilà, c'est un dégradé. dégradé. Voilà, si c'était noir complet, ce serait l'obscurité totale, black hole, on ne verrait rien. Mais comme c'est des dégradés de noir un petit peu, c'est pour ça qu'on voit certaines couleurs parce que. C'est pas complètement noir, d'où on va voir la couleur qui n'a pas été absorbée. Et si c'est le bleu qui n'a pas été absorbé, bon, on va voir le bleu. Et si c'était beaucoup de bleu qui était absorbé, mais que ça allait aller vers le bleu foncé, un petit peu noir, eh ben, exactly. Donc, on verrait la partie qui n'a pas été absorbée. Donc, ça pourrait être noir foncé, vert foncé, rouge foncé, etc. Ok. So if that makes sense, that means that when we see blue, it's a lesser form of melanin. It's a lesser form of blackness. So blue becomes a pigment that's a lesser form of the ultimate pigment, black. D'accord. Red is a pigment that is a lesser form of the ultimate pigment, black. Green Donc. is a pigment that is a lesser form of the ultimate pigment, black. D'accord. Donc, toutes les couleurs, ce sont des pigments et qui sont, on va dire, des dégradés, hein, des formes simplifiées du pigment Original. royal, original, le plus grand, le plus imposant, qui est le pigment noir, qui est absorption totale. Mais toutes les autres couleurs, les autres pigments, ce sont simplement des variations, des dégradés, des simplifiés de la couleur royale qui serait noire. Laisse-moi poser une question, frère. Léon. May I ask you a question, please? Yes. Alors, dans la couleur suprême, noir, d'accord? Et de noir, on a le reste. Quel est l'opposé au noir? Quel est l'opposé à le noir, 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 à la couleur originale? C'est quoi son opposé? Parce qu'il y a forcément un opposé. So, if the supreme pigment is black, then the question to you, Brother Leon Marshall, is what is the opposite of black? Ah, il paraît c'est toi. So, so remember the way we describe melanin is like a black hole. Yeah. Yes. The reason why we describe it that way, again, to make it easy, is because it absorbs everything. It absorbs electromagnetic energy. So it can absorb all of this. Yeah. Yes. When it absorbs all of this, we see black. When it absorbs none of this, we see white. Ah, So black is the absorption of all color, and then white becomes the reflection of all color. So if we were looking at this plant and it was reflecting all of the colors, all of the visible light from the sun, then we would see white. Haché. Because nothing's being absorbed. Donc, frère Mobali Makassi, puisqu'on avait dit que la mélanine était équivalent à un trou noir, à savoir que toutes les couleurs du spectre visible ont été absorbées, ça veut dire que toute l'énergie électromagnétique a été absorbée, on va voir du noir. Donc, si tout a été absorbé, on voit du noir. Mais si toutes les couleurs sont réfléchies vers vous, on verrait du blanc. Parce Ok. que le blanc ne va pas absorber, n'absorbe rien du tout, il ne fait que réfléchir tout. Ok. Ok, thank you.
J'ai d'autres questions, mais sinon le live sera trop long. Mais peut-être tout à l'heure. I've got more questions, but I will let you carry on with the presentation. Otherwise, we're going to have a longer session today. Okay. Come with the questions. When I finished, if there's more questions after I finish, then definitely come with them. If we're looking at the electromagnetic spectrum and we understand that these visible light colors that we see are just lesser pigments of melanin, of blackness, then what sort of colors or pigments should we be eating for melanin? Alors la question qu'on vous pose ici, c'est peut-être que vous mettiez des 5, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, la question c'est, puisque nous voyons que la réflexion que votre œil reçoit d'une couleur particulière, c'est simplement « a less pigment of blackness », donc c'est un pigment, c'est un dégradé du pigment royal qui est noir. Alors, la question que je vous pose, et tenez à l'idée, à l'esprit, le spectre visible. Vous avez vu le spectre visible. Donc, la question, c'est, d'après vous, quelles sont les couleurs des aliments que nous devrions consommer? So, what sort of colors should we be eating? Should we be eating red, green? What sort of colors should we be eating? Quelles sont les couleurs que nous devrions consommer? Nous devrions consommer des aliments qui sont rouges, vertes, bleus. Toutes les couleurs. Brother Mobali Makassi says we should be consuming all the pigments part of the visible light. Sauf les blancs. Right. Sauf les blancs. Sauf les blancs. So Mobali Makassi is sarcastic. He says we should consume all the colors except white color. He says. Pull up. Yeah. Well, check this out. Parce que les pâtes c'est pas bon. Yes, because white pasta is not good. Well, this is the thing. This is the reason why I don't like to tell people what to eat or tell people about melanin. I just present the facts and then let them come up with their own conclusion. So for example, the fact is that if you combine all of these colors together, it produces blackness. So you can do this with paint. If you had red paint, orange paint, yellow paint, green paint, blue paint, indigo paint, and violet paint, and you was to mix them up together, it would be black, yeah? Haché. Donc c'est pour ça, frère Mobali Makassi, que j'aime beaucoup parler avec les frères. Je n'aime pas leur donner une réponse. Je les confronte face à des éléments factuels. Effectivement, et tu as bien compris. Et c'est même pour ça que, en réalité, même un peintre, quand il prend le rouge, le vert, le jaune, le bleu, il prend toutes ces couleurs visibles, il les mélange. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le noir. Donc, c'est pour ça que j'aime toujours à dire aux gens que si vous devez consommer de la nourriture, ben vous allez consommer ces couleurs-là qui sont celles que le spectre, que la mélanine absorbe. So, like Brother Mobali Makassi rightly said, if we want to eat foods for melanin, those foods should have these colors, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. And Brother Mabali Makassi said, not white. Well, white is not one of the visible colors. So yeah, you shouldn't be consuming white. So this is not my opinion. This is just science. What color is chicken? Arrête tes bêtises. Rose. Rose. C'est dans le spectre. C'est rose. So, frère Mobali Makassi, c'est dans le spectre, mon frère, c'est dans le rose. So, Mobali Makassi, tu as raison, effectivement, quand tu donnes cette réponse, que nous devrions consommer les aliments qui ont la couleur qui fait partie du spectre visible. Alors, du coup, frère Mobali Makassi, puisque tu as donné une bonne réponse, je te pose la question, quelle est la couleur du poulet? So, Mobali Makassi is cheating. He's saying that the chicken is in the visible spectrum because it is pink. I don't see pink in the visible spectrum. Frère, je ne vois pas le rose dans le spectre visible. Alors le rose, je vais le trouver entre les amis, faut m'aider.
Entre le rouge, le croisement entre le rouge et le jaune. Je pense que c'est quelque part là-bas. So Mobali Makasi is saying that if we look carefully, maybe between the red and the yellow, there's some pink in there. Really? Okay. I gotta put on my glasses and find out. Let's go through what I know I can see. So I don't know if I can see pink, but I can definitely see red. So let's go through the foods that, and just a couple examples, but I'm gonna go through all of these colors. So let's start with red. So watermelon. Now with watermelon, I'm gonna name the pigment that's in all of these foods. So the pigment that makes watermelon red is called lycopene. Donc, on va commencer couleur après couleur. Prenons le rouge, parce que là, on est parti du côté gauche, puis on va aller vers le côté droit. Et je vais vous donner le nom scientifique de la molécule qui donne au melon, pastèque, pardon, qui lui donne la couleur rouge. C'est une substance qu'on appelle la famille, excusez-moi pour ceux qui savent, mais c'est lycopène. Voilà. OK. Now, we already understand that these pigments are just a lesser form of melanin. So when I say lycopene, understand that's just a lesser form of melanin. Donc, comprenez que quand je vous donne le nom scientifique de ces molécules qu'on appelle lycopène, qui est responsable de donner la couleur rouge aux fruits pastèques, c'est simplement que vous devrez comprendre que c'est une variance, un dégradé de la couleur noire. So watermelons, their seeds are high in zinc and copper. Zinc is good for male reproductivity. Zinc and copper is good for melanin. It gives us the color. You know, if you've got any gray hairs, that means you're losing copper. So copper kind of brings back the color in our melanin. And then they're full of water, so they're super hydrating. Donc, la famille, sachez que les grains de melon, de pastèque, justement, ont une forte teneur en zinc et en cuivre. Et sachez que si vous avez les cheveux grisonnants, c'est que vous manquez de cuivre. Ça, c'est important à savoir. Ah et bon? C'est, oui, et il faut aussi savoir que c'est un fruit qui est super hydratant. Donc, si vous voulez boire de l'eau, ben, prenez de l'eau distillée qui se retrouve dans cela. Et sachez également que c'est en fait un fruit qui est très bon pour la reproduction. Si monsieur et madame veulent être bien, si vous voyez ce que je veux dire, ben, vous consommez pastèque. Pardon. Bon, attends d'abord, parce que son histoire-là, bon, de spéléologie, je l'ai compris. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est le truc gris là, les grisonnantes. Parce que donc moi là, il me manque du zinc là, c'est ça? Parce que là, c'est pas bon là, la couleur elle a trop changé. Frère, so, brother, comment tu peux m'aider? Brother, so can you please help me? So are you trying to say that me when I'm looking at my goatee and it's turning gray, are you trying to say to me that I'm lacking copper and I should be, ah oui? You know, adding more copper? Yeah, copper will bring back the darkness. Or anytime we're getting grays, we're starting to lose copper. That's a definite. We're starting to lose copper. Donc, frère, effectivement, chaque fois qu'on devient grisonnant, c'est qu'on perd le cuivre qu'il y a en nous. Et ce cuivre là, parce que là, du coup, ça m'intéresse là. Faut ce cuivre là. Donc, c'est en mangeant les comment t'appelles ça? Les grains de pastèque. So, are you saying that the copper, we can only find it in eating watermelon? No. Are there other places? Yeah, a lot of different plants have high copper amount in them. You can even get copper in nuts, like cashew nuts. They've got a high amount of copper, and some other nuts as well. You'll find copper in dark green leafy vegetables as well. A lot of the dark shaded, the high pigment, dark pigment foods will have copper in them. Donc, frère, il n'y a pas que dans les pastèques, hein. Donc tout ce qui est cuivre, on peut le retrouver dans tout ce qui est noix, notamment les noix de cajou, mais également dans toutes les plantes qui ont une couleur verte. Donc, tout ce qui est vert foncé, vous allez trouver du cuivre dedans. OK. And guys, don't miss the zinc. The zinc is in the seeds. As you can see, the seeds are black, or they should be. So when you're eating a watermelon, remember,
No melanin, no life. So if you see the seeds and they're white, you now know what white means. Yeah. And black means it's the absorption. Yeah. So we need the black seeds. Donc, la famille, on ne doit pas juste être focus sur le cuivre, mais également le zinc. Et regardez, par exemple, les grains de ce pastèque, c'est noir. Donc, si vous coupez votre fruit, vous avez des grains qui sont blancs dedans, vous savez ce qu'il y a comme déduction. D'accord. All right. There's Next one. a brother in a chat called Sprinter. Je te passe la paix, frère. Who says that more and more we'll buy in the supermarket watermelon without seed in it? So what do we do? Right. Oui, c'est vrai Okay. en plus. So, if the seeds are the black part, that's where you're getting a lot of the melanin. Yeah? T'as pas traduit d'abord. Traduis d'abord parce que les gens ne savent pas compris. Oh, La question de pardon. Sprinter. Oui. Donc, le frère Sprinter à qui je passe la paix, il dit, nous avons de plus en plus de pastèques sans pépins. So, brother Leon Marsh, sorry, I was just translating. Sorry. M Yes, merci, frère yes. Mobali Makassi. So, if the seeds are black and you're getting watermelons with white seeds or no seeds, then you're missing the key element, which is the melanin in the seeds. And it's the Haché. melanin in the seeds, the black seeds, that help with male reproductivity. It is so strong, it is so powerful that scientists have done research to suggest that you could use watermelon as a natural Viagra. Ouf. Ok, donc effectivement, frère Sprinter, alors puisque les grains que l'on retrouve dans ton fruit pastèque sont noirs parce qu'on dit que la mélanine, c'est la vie, eh bien, si tu as des fruits, si tu as des pastèques où les grains sont noirs, où il n'y a pas de grains, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de consommer? Et il faut également savoir qu'il y a une étude scientifique qui avait été faite qui avait montré que les grains de pastèques, on peut les utiliser comme Viagra naturel. Ah bon? Mobali Makassi says, is it for real? For real. For real. Tous les spéléologues t'entendent là. Tous les spéléologues et tous les foreurs du pétrole t'entendent. Donc là, maintenant, les pastèques vont être maintenant. Ça va être rare hein, dans le quartier. À cause de toi. Brother Mobali Makassi says, because of you, all the brothers who are known as deep divers, if you see what I mean, those who love to go deep, because of you, there'll be shortage of watermelon in supermarkets because of you now. That's if they're getting the right one, though. You can't think that you're getting the natural Viagra if you're not getting the seeded, the black seeded watermelons. Oui, mais la seule condition, frère, c'est que le frère Sprinter et tous les autres, qu'ils aient accès aux pastèques qui contiennent des grains qui sont noirs. Parce que à quoi ça sert d'aller acheter des tonnes de pastèques où il n'y a pas de grains dedans, où il n'y a que des grains blancs dedans? J'avoue, les trucs achetés à Carrefour, là, c'est vrai, c'est la daube. Mobali Makassi is in total agreement with you. Yeah, that there are certain supermarkets where the watermelon contains just white seeded Bon, inside. attends, Léon, moi, par ton histoire de grisonnant, là, ça m'intéresse, hein, parce que dès demain, je commence déjà. Mais les trucs, là, les grains, là, je les écrase, je les avale, qu'est-ce que j'en fais? Je les fais sécher, comment ça marche? Excellente question, excellente question. He's asking a very excellent question. He's saying, sorry. He's saying the seeds, the black seeds, do I process them in the processor? Do I eat them like this? What do I do? So you can put them in the blender and blend them up. Ah ouais? That would probably be the best thing. So make like a Absolument. smoothie. Yeah. Make like a smoothie. Yeah. Or you can just swallow them without chewing them. Just swallow them. Or collect them and plant them and make some more watermelons. Donc, effectivement, frère, tu peux les mettre dans un robot, tu vas les hacher donc petits et tu les mets dans un smoothie, donc dans ton liquide, évidemment. Pas du lait blanc, frère, hein. T'as bien compris parce que Pas de c'est pas dans blanc. le spectre. Toi, C'est pas tu dans le peux les spectre. avaler.
C'est pas dans le, it's not in the visible spectrum. I was saying to him that there's no point to have a smoothie with white milk because white milk is not in the spectrum. Donc tu peux les mettre dans un smoothie, tu peux les avaler, ou tu peux faire mieux, c'est que tu prends les grains que tu as gardés, tu vas les planter pour faire encore et produire encore d'autres pastèques. Ok. Right. Let's move on. So we went through red. Let's go to orange. Now, okay. Oranges are good. Yeah, they're full of, here's the pigment, carotenes or carotenoids, you might see it named as. But remember, I'm telling you what the pigment is in all of these colors. So the pigment that makes orange orange is called carotenes. That's the reason why carrots come under that. Donc, on a quitté la couleur rouge, on va maintenant vers la couleur orange. Et vous voyez déjà que on voit le mot carotte qui se trouve également être orange. Alors, moi, je me base d'un point de vue scientifique. Donc, je vous donne le nom scientifique du pigment qui rend aussi bien la carotte que l'orange orange. C'est la carotine qui est haute en vitamine C. Mm-hmm. And yes, they're high in vitamin C. And everyone always goes for oranges for vitamin C. But I'm about to show you something that has 10 times the vitamin C of oranges. Donc, la 10 plupart... times. Donc, la plupart du temps, les gens, quand ils veulent consommer de la vitamine C, ils pensent à consommer une orange. Mais ce soir, je veux vous dire, vous donner un ingrédient qui a 10 fois plus de vitamine C. Attends. Avant que... Attends. Reviens. Hold on. J'ai une question. Nobody has got a question. Alors, l'histoire de l'orange, là, mon ami, je t'ai entendu. Bon, apparemment, vitamine C, tout cela, c'est du bon. Ce que j'ai envie de savoir, est-ce que la peau, on doit la consommer? Question to you, can we consume the skin of an orange, the orange peel? If it's organic, yes. If it's organic and you've washed it off with sodium bicarbonate, yes. These days, a lot of the fruits and vegetables, they're not organic. And they've been sprayed with pesticides or herbicides, so it becomes quite dangerous to consume the skin. Frère Mobali, est-ce que tu peux consommer? Oui, si tu vas consommer un fruit qui est organique. Si ce n'est pas le cas, mais il faut au moins t'assurer que le fruit a été lavé dans du bicarbonate de sodium. Comme ça, tu sais que tu t'es débarrassé de toutes les crasses que tu peux imaginer. Alors, j'ai posé cette question. Je sais que pour le citron, ça se fait. Moi, quand j'étais petit, j'étais malade. Ma grand-mère me disait enfin, qu'il fallait manger tout, quoi. C'est-à-dire que tu prenais le citron et la peau et tout cela, tu mangeais. Voilà, c'est vrai que c'est dégueulasse. Mais pour l'orange, j'ai jamais testé. Mais j'ai posé juste la question. Est-ce que ça, comme pour le citron, c'est pareil. Si on veut vraiment tirer profit de tous les bénéfices, est-ce qu'on pouvait consommer la peau, même si c'est dégueulasse? Mais en fait, voilà. C'est pour ça que je posais cette question. Ashe. So I was asking this question because when I was a young kid, my grandmother used to give us to eat the entire lemon. So we will eat the inside and outside. So I've tried it with the lemon, although it's disgusting, but I knew that it worked. But I never tried or risked trying for an orange. Yeah, if we can have lemons and they're organic, they haven't been sprayed with any herbicides or pesticides, we should be eating every part of that, from the skin, to the rind, to the flesh, to the juice, to the seeds. Every part of that is good for us. Comme disait le docteur Sebi, effectivement, quand il faut consommer quelque chose, on prend depuis la racine de cette plante jusqu'au sommet, à savoir le fruit. Eh bien, ici, c'est la même chose quand on va consommer votre citron. C'est le citron dans son entièreté. Donc, depuis la peau à l'extérieur jusqu'à l'intérieur, y compris les grains. Il peut y aller maintenant. Carry on, brother. So, the next thing I'm about to show has 10 times the vitamin C level than oranges. 10 times the amount. Donc on aura maintenant l'ingrédient qui a 10 fois plus de vitamine C. D'accord. Papaya. Papaye. La papaye. D'accord. Mm-hmm. Donc ça vraiment, tu prends ça, c'est de fou. Tu carbures. So with this, you eat it, you know, vitamin C to the full. So you eat the flesh. Now with the seeds, again, there's power in the seeds. The seeds are very powerful at detoxifying the body. The seeds can even get rid of parasites.
Wow. Donc, la papaye, vous allez manger la chair, mais également les grains. Alors, les grains, c'est C'est tellement dégueulasse. puissant. Mobali Makasi is saying that the seeds are disgusting, but let me carry on translating. So, donc les grains, c'est tellement important que si vous devez faire un détox, qu'est-ce que vous utilisez? Eh bien, les grains de papaye. Autre chose, ces grains sont tellement puissants que ça vous débarrasse des parasites dans le Ah corps. ouais? So, we talked about electromagnetic energy. Yeah, electricity is the flow of electrons. Electricity is when things are flowing. Yeah, magnetism, magnetics is. Oh, look at food as information. So electricity is the flow of information, and magnetism is the storage of information. Donc, frère Mobali Makassi, il faut que tu comprennes et voir les choses dans un schéma. Il faut voir que la nourriture, c'est une information. Et le magnétisme, il faut comprendre, c'est la capacité de stockage. Donc, ce qui fait que quand on parle d'énergie électromagnétique, on parle, et ça, tu vois ça dans l'électricité. L'électricité, c'est quoi? C'est simplement le flot des différents électrons. Flow of information, yeah. Flow of information, yes. So electricity is the flow of information, and magnetism is the storage of information. Now, when we eat fruits, yeah, because they are high in water, they allow the flow of information. Donc, si on consomme de la nourriture qui a un contenu, enfin, qui contient du liquide, par exemple de l'eau, eh bien, on est en train d'absorber le flot d'informations. So these seeds, usually the seeds are magnetic. They hold information. This is seeds in general. They're magnetic. They hold the genetic material for that plant, the genetic information, the genetic DNA for that plant. So seeds are magnetic. Donc, il faut comprendre que dans chaque fruit, les grains d'un fruit, les grains sont à la base magnétiques, dans ce sens que ça garde l'information de l'ADN de ce fruit. De pastèque, eh bien, vous êtes en train de consommer l'information de ce fruit. All right, so when we consume papaya, with the seeds, you don't need to chew them. You don't need to chew the seeds. You just swallow the seeds. And because they are magnetic, they attract the parasites to them like a magnet. Haché. Donc, quand vous allez manger votre papaye, vous n'êtes pas obligé de mâcher, de mordre les grains, parce que les grains vont se comporter comme un aimant, c'est des magnétismes. Donc, quand vous allez, attends, frère, quand vous allez consommer ce grain, les grains vont attirer à eux comme un aimant attire l'autre élément qui est du fer. Eh bien, les grains vont attirer toutes les crasses qu'il y a à l'intérieur du corps. So, Mobali a des questions. Bon, frère, j'ai envie d'avoir ton avis. Parce que je suis en train de manger quelque chose qui n'est pas dans le spectre. Mais les Africains connaissent bien ça. Et d'ailleurs, c'est une sœur qui m'a donné ça. Mon ami, ce que je mange là, ce n'est pas dans le spectre. Donc regarde bien la couleur. Tu ne peux pas faire plus locoderme que ça. Tu ne peux pas faire plus locoderme que ça. Tu as vu, ce n'est pas dans le spectre. Et je mange aussi quelque chose qui n'est presque pas dans le spectre. Donc, ce sont des arachides qu'on a mis dans la flotte. Donc là, c'est comment? Ah, Est-ce qu'il j'adore y ça. a. Ah, j'adore ça. J'adore ça. So, Mobali Ça, Makassi. c'est du manioc. Ça, c'est des tubercules de manioc. Comment tu dis ça en anglais, manioc? Kanzebia, je ne sais pas comment on dit ça. Oh là là. OK. So, Mobali Makassi is saying, listen, I'm going to play the devil's advocate and I'm going to just take the risk of eating in front of you. I'm eating two things. Number one, I'm eating red skin peanuts, no, pink skin peanuts, and it's not in the spectrum. So these are peanuts that we leave in the water overnight, and then water is absorbed, and then so these are pink skin peanuts, and it's not in the spectrum. And the other thing is I'm eating something where we know it's a root. I think it's a tapioca, I think it's called. You know those roots that you find in some African shops? It's like a root. And when you cut it open inside, it's white. I think it's tapioca, I think it's called, but I'm not sure. Okay. Si la famille peut un peu. Le Cassava roots, manioc, cassava. cassava.
Cassava. Merci, merci, okay. Nzinga. Merci, la famille. Yes. Yeah. So when it comes on to the foods that are not on the spectrum, it's not like we can't eat them. But again, I'm going with science. Science says that in order for our melanin to function optimally, it needs all of those visible light, all of those electromagnetic energies. And we get those electromagnetic energies from fruits, the fruits that I'm going through. Now, that doesn't mean that we can't thrive off of these other things, because like I said at the beginning, you have these sports stars who, if we're being honest, they're not eating electromagnetic foods, but they're still thriving. And I believe they thrive because they are doing what they are. They are following their assignment. They're doing what they truly believe they were put on this planet to do. And I think that is one of the main things that keeps our melanin in harmony, doing what you truly believe. So you see, Brother Mobali Makasi, I believe that you were put on this planet, on this earth, to do the assignment that you are following. Yeah. You've got a huge following and you are sharing that powerful knowledge with them. This is keeping your melanin in harmony. So you can get away with eating cassava. Excellent. 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 Donc, je réponds à cette question un peu comme Usain Bolt. On lui avait posé la question et Usain Bolt disait qu'il lui arrivait de manger du KFC et d'avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Eh bien, je te réponds de la même façon. Mobali Makasi, toi, ta mission, c'est qu'on t'a mis sur cette planète Terre pour donner de l'information. Et tu donnes l'information via cette chaîne YouTube où tu as des milliers de personnes qui sont abonnées. C'est ça ta mission de vie, parce que quand tu le fais, tu le sais toi-même que tu es en harmonie avec l'univers. Mais comme tu es Mobali Makasi, tout comme un Usain Bolt qui peut manger du KFC et toujours être au top, eh ben toi, tu peux te permettre des arachides qui sont pas dans le spectre, mais en même temps, toujours être en harmonie avec ta mission de vie, donc à savoir avoir tes followers qui sont sur ta chaîne. Il est excellent. Il est excellent. Now, for the people that are listening to this right now, if you are not following your passion, if you are not doing what you are supposed to be doing, what you truly believe you were put on this planet to do, even if you don't know what that is, just follow what you're enthusiastic about. If you're not doing that, then yes, chicken will mess you up. Yes. Peanuts will mess you up. Yes, cassava will mess you up. Donc, frère Mobali Makasi et la famille, si vous n'êtes pas en accord avec l'univers électromagnétique et les énergies autour de vous, eh bien vous, si vous mangez votre poulet, si vous mangez vos arachides et tout ça, ça va vous foutre en l'air. Ça va vraiment vous foutre en l'air. Parce que vous n'êtes déjà même pas au départ en harmonie avec votre mission de vie. Si en plus de ça, vous consommez de la crasse, eh bien vous allez vous foutre en l'air. Ok. All right, let's continue. On continue. All right. La mangue. Yellow. Jaune. Mango is full of carotenoids. Again, that's the pigment. And chlorophyll. Mango, and this chlorophyll is the green pigment in plants. Yes. But mangoes have that as well. That's the reason why sometimes you buy a mango and it's unripe and it looks very green. But then as it ripens, it goes from green to red to yellow. Yes, haché. Alors, on continue vers le jaune également. On voit la mangue. Alors, la mangue a son pigment qui lui donne cette couleur particulière. Donc, c'est le nom scientifique que la famille, excusez-moi, c'est caroténoïde, j'imagine. Mais également chlorophylle. Chlorophylle, donc, c'est en fait la mélanine des plantes. Et c'est pour ça que quand vous allez couper une mangue qui n'est pas encore mûre, ben, elle est verte. Mais quand elle va mûrir, elle va devenir soit rouge, soit jaune. Donc, cette mangue, elle contient en même temps chlorophylle et caroténoïdes, et puis également riche en vitamine A et vitamine C. Could you please tell our brothers and sisters, we know about the vitamin C, what are the benefits of the vitamin A, for example? Okay, so vitamin A is good for the eyes. Haché. Donc, la vitamine A est bonne pour les yeux. Okay, and your eyes are connected to your brain. So anything that is good for your eyes is good for your brain. Donc, puisque vos yeux sont connectés à votre cerveau, tout ce qui est bon pour les yeux est bon pour votre cerveau.
D'accord. Vitamin C is good for creating what they call collagen. Now, collagen is the Yes. main protein in the human body. Wow. Donc, la vitamine C, elle, c'est celle qui vous permet de produire ce qu'on appelle collagène. Et nos sœurs, elles savent très bien de quoi je parle. Et alors, il faut savoir que cette collagène, c'est la protéine principale dans le corps humain. Effectivement, puisque la peau étant la surface la plus grande du corps, bon, on en a besoin en grande quantité. So, collagen is needed for bones, collagen is needed for skin, collagen is needed for hair, literally needed for everything. That's the reason why vitamin C is so important. Donc la D'accord. vitamine C est importante évidemment parce qu'on en a besoin partout. Elle intervient dans la fabrication des os, des muscles, pardon, des os, de la peau. Donc j'ai dit quoi? Donc les os, la peau, les cheveux, etc. And then vitamin E is good for hair and nails. Donc la vitamine Hair and E. nails, yeah. Donc la vitamine E est bonne pour les cheveux, les ongles, etc. So you got vitamin A, C, and E. Vitamins A, C, and E are your antioxidant vitamins. Antioxidants, those are the most powerful vitamins. Donc, les vitamines les plus puissantes, c'est vitamine A, vitamine C et vitamine E, parce que ce sont des antioxydants. All right, let's move on. On Going on continue. to chlorophyll. So La green chlorophylle, oui. leafy, yeah, leafy greens. Donc, toutes les feuilles qui sont vertes, elles vont avoir une forte teneur en chlorophylle. Le saka-saka. There's something in Africa that we call sakasaka. I don't know how you call it in Jamaica. It's called sakasaka. C'est des feuilles de manioc. Oh yeah, these are the cassava leaves. Yeah, as long as they're green and they're leafy, C'est then we're bon? in business. Du OK. moment que c'est des feuilles qui ont une forte couleur verte, ça le fait. Le fumbois. Oh là, frère, tu me poses des colles. There's something called fumbois. I don't know what that is in English. La famille, aidez-moi. Frère Sprinter, toi qui es fort là. On dit fumbois en comment ça? anglais, le fumbois, fumu. Fumbois en anglais, frère Sprinter, s'il te plaît. OK, on continue. Yes, let's carry on. All right, so when you're eating leafy greens, you're going to get a lot of chlorophyll. Remember, chlorophyll is the green pigment, the pigment in green leaves that makes it green. And because it's got a lot of vitamin A, C, E, it's got a lot of vitamin K, it's going to be good for your bones, and it's high in protein as well. So people, when they say, "Oh, I can't just eat plants, where am I going to get my protein from?" Leafy greens, that's where you get your protein from. On a des gens qui souvent disent, oui, mais je ne fais que manger des plantes, des feuilles et tout ça. Où est-ce que je vais avoir mes protéines et tout ça? Mais les protéines, on les trouve notamment dans les plantes avec des feuilles vertes. Donc, si vous consommez votre salade, votre feuille de, ici, c'est des feuilles de kale, je ne sais pas comment on dit ça en français, eh bien, vous consommez deux choses, de la chlorophylle, mais également de la protéine. All Oh, right, yeah. brother, Sakasaka is in English. Someone called Jegu says that it's a kalalu, which you guys eat a Hallelujah, lot. yes. Oh, You eat a yes. lot in Jamaica. It's so delicious. Yeah, Kalalu. Hallelujah. Oh, Yeah. Tep, That is Jegu, merci. high in chlorophyll. That would be Oui. amazing to Ah consume. Kalalu, Hallelujah. c'est Hallelujah. High in super. chlorophyll. Kalalu, c'est Ils super, mangent le super. sakasaka en Jamaïque? Oui, Ils ont bien fait sûr. emmener ça là-bas? So, brother, our brothers and sisters in Jamaica, our ancestors eat Kalalu, Sakasaka. Well, he's very surprised. Kalalu is huge in Jamaica. Kalalu, Oui, frère, c'est massif. you can't go to a Caribbean restaurant in the UK without them serving some type of Kalalu. They have to I have agree. Kalalu. Comment vous le préparez-vous? Comment vous le préparez? Juste pour avoir une idée. Pour Let me savoir s'il y a un translate. blasphème. Donc, il dit que mais le Kalalu, mais le Sakasaka, mais tu peux pas avoir un restaurant jamaïcain sans Sakasaka. Comment Ça vous veut le pas le faites? Comment vous le Makassi. faites? Parce que je veux Il savoir sait. si vraiment. Ici, c'est la police. Parce que si c'est pas bon, je serai en colère. Comment vous le faites? Mobile Makassi says, we are acting like the police here. So I want to know how our brothers and sisters in Jamaica are eating Sakasaka, meaning Kalalu. How do you cook it? I don't know. They season it Qu'est-ce qu'il y a down dedans? and yeah, they season it down and cook it well, man. Like you go to Jamaica
and you eat the kalalu out there, it tastes totally different from the kalalu here. So who knows if we're actually consuming the real thing over here, because it tastes totally different in Jamaica, totally different. And it might just be the way they season it down or the way they cook it. Donc en fait, il n'a pas donné vraiment une recette comment il procède, mais il dit que déjà lui, il fait une différence quand il mange le sakasaka, donc kalalu, en Angleterre, et il le compare à ce qu'il mange en Jamaïque. C'est différent. Donc même, il a même des doutes que peut-être que le kalalu qu'il mange ici au UK, c'est pas du vrai. Mais il n'a Ah pas ouais, donné hein? une recette. Moi, j'en ai ici en bas que je prends dans les magasins jamaïcains. On vend ça, oui. Bon, je vais tester. Je vais chercher un restaurant jamaïcain. Kalalou. Maintenant, je sais comment ça s'appelle. Je vais tester. Oui, donc c'est CA2L et puis LO, Kalalu. Kalalou. So, Brother Mobali Makasi is saying that he's gonna now keep an eye and make sure that he eats the Jamaican version of the sakasaka, which we call Kalalu. Yes. Yes, get your chlorophyll in. Get your chlorophyll So, in. quand tu vas manger ton sakasaka, frère, tu vas mettre de la protéine et de la chlorophylle en stock dans ton corps. C'est du bon. And remember, just before we move on, all of these pigments that I'm telling you about, what makes them powerful is because they're absorbing light. Remember, they're not absorbing all of the visible light, but they're absorbing parts of the visible light. That's what makes them powerful. Donc la raison pour laquelle tous ces ingrédients que je vous donne sont super super puissants, c'est parce que ils absorbent le spectre visible que je vous ai montré au début. All right, so let's move on. Oh, and speaking of dark green leafy vegetables, do you know that some of the green leafy vegetables, obviously you got spinach, a lot of people know about kale, you got rainbow chard or Swiss chard as well, and broccoli and that sort of stuff. But you can get kale in purple, which is even more powerful. Donc, la plupart du temps, les gens connaissent donc les feuilles vertes, hein, comme les épinards. On peut avoir du vert dans du brocoli, des choses comme ça. Mais vous savez-vous que kale, je sais pas comment on dit ça en français, c'est la feuille verte qu'on avait vue avant. Mais on peut même avoir une version de ça, mais en mauve. Et ça, c'est encore plus puissant. And the reason why it's so powerful is because it not only has the pigment chlorophyll in it, but it also has the pigment carotenes, which was in the orange and yellow foods, and it's got the purple pigment called anthocyanins. So it has three pigments in there. Donc, ce kale ici, il est deux fois plus puissant. Pourquoi? Parce que lui, c'est en fait un trois en un. Donc, il a la chlorophylle qu'on a déjà vue, la carotine qu'on a déjà vue dans les ingrédients orange, mais il a également cet élément qui lui donne cette couleur pourpre, un petit peu comme ça. C'est anthocyanin. Donc, très fort en nutriments, protège contre le cancer, etc. Les safous, c'est violet et bleu. Il y a quoi dedans? Frère, il faudra Le safou en anglais. qu'on mette. Tonight, I need a dictionary. Comment on dit le safou en anglais? There's something that we eat called safou, but I've got no idea how you say it in English. Safou. Safou en anglais, les amis. Donc la famille, si quelqu'un sait ce que c'est que le safou en anglais, brother, I'm so sorry. All these are dishes that I know in African language, but I don't know how you call them in English. It'll be Mais interesting c'est to non à find out. Safou. Yeah. It'll be interesting to find out. As we wait for someone to put it in the chat, let's move on to the last two. Yes. So we've got purple kale, which Brother, is a powerful. just a quick one. Aubergine, because it's got a purple color. Does aubergine, someone in the chat, Sprinter, I think he said it also. No, I think Lest. Is aubergine also full in anthocyanin because of the color? Yes. Aubergine is going to be really good for our skin because when you look at an aubergine, it looks like our skin. You can get them in really dark black, so that's going to be good for melanin. So yeah, definitely. Donc, le frère ou la sœur Lest, Lest, effectivement, l'aubergine, c'est super bon. Et alors, si même on regarde bien la peau de l'aubergine, c'est un peu comme notre peau. On peut avoir l'aubergine qui est foncée, foncée noire ou un petit peu claire. Et donc, l'aubergine, effectivement, contient de l'anthocyanin. Et donc, il lui donne cette couleur un petit peu mauve, comme ça, un peu.
All right, last two. Les deux derniers. Blueberries. Donc, pas besoin de vous dire ce que c'est la famille, vous savez ce que c'est. So, blueberries are full of anthocyanins. Anthocyanins is the purple, the dark pigment that you find in fruits, yeah? Fruits and vegetables. They're high in antioxidants and they improve brain function. Donc, ici, vous avez également une forte teneur en anthocyanins, très, très fort pouvoir d'antioxydants. Également, ça améliore les fonctionnalités du cerveau ou la fonction cérébrale. C'est peut-être plus correct. So, blueberries, very powerful for brain function, nerve function. Anyone that's got nerve issues, you want more blueberries in your diet. Yeah. Brother, I've got an answer. Some brothers and sisters have given the answer. Safu is a plum. So maybe plums from the leaf, the leaves of the plum. Maybe they've got Yeah, that can work. That would be powerful. Yeah, definitely. Donc effectivement, frère Mobali Maka, c'est du safu, c'est du bon. And then last but not least, the last one with regards to foods for melanin. And in my opinion, the most powerful one. Donc, à mon avis, et là, il essaye de faire le suspense ici. Je sais c'est quoi. À mon avis, je vais donner l'ingrédient. Je sais c'est quoi. L'ingrédient le plus important. Et Mobali Makasi says that he knows what you're about to say. Le camembert. Yeah. What? Mobali, I'm not even going to. It's not chicken. No, Mobali Makasi is saying he knows which one is the camembert, which is you know, the French cheese, whatever. So. All right, here it is, the most powerful one for our melanin. D'accord. Haché pour notre mélanine, effectivement, oui. They're full of anthocyanins. They have something in them called resveratrol, which is anti-cancer, antimicrobial, antibacterial, very powerful plant compound that's in grapes, and they are super cleansing. So and, if you need to detox, you need and, in your diet. And we have to have them with seeds inside. Yes. I have to say. Donc, je précise la famille, oui, mais à condition d'avoir ceux qui ont des grains dedans. Donc, voilà. Donc, les raisins, évidemment, très, très haute teneur en anthocyanins qui leur donne cette couleur un peu mauve, pourpre. Et ils ont également un élément qu'on appelle resveratrol, et ce qui fait que ça leur donne la possibilité d'être des aliments qui nettoient le corps humain. Donc, que vous ayez des microbes, des bactéries, franchement, les raisins, là, ah ouais, allez-y hein? À fond. Ah bon? Yes. A couple things about grapes. One, you want to get the black or the red ones. Yeah? Yes. The black or the red ones. In other words, the darker, the better. The darker, the better. Yeah? Yeah. Like my favorite, one of my favorite rappers, Tupac, said, the blacker the berry, the sweeter the juice. We want black grapes, and by the way, grapes come under the berry family, so grapes are berries, yeah. Grapes come under the berry family, so you want the darker ones, the darker the better. Donc, comme Tupac Shakur le disait lui-même, plus c'est foncé, mieux c'est, et plus c'est juteux. Donc, moi je vous dis qu'en plus de ça, les raisins, préférez les raisins noirs et les raisins rouges, contrairement aux autres, évidemment. Et le Corosol, quel est son avis là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la communauté. Oh, yes, my favorite fruit. Ça, c'est, this is my favorite fruit, brother. So, what do you say about the sour soap? Parce qu'à l'intérieur, c'est pas dans le spectre. Hein? So, because the sour soap, the skin is white. So, it's not in the visible spectrum. So, what have you got to say about this? Well, the plant is green. Yes. The soursop fruit, the soursop fruit comes from the plant, which is green. And so that's the reason why. And the seeds are black. And the seeds are black. So you've got the black seeds and you've got the green leaves, which makes up for the white fruit. Donc, frère Mobali Maka, si tu as essayé de m'attraper, espèce de petit coquin, même si la peau du Corosol, c'est blanc, mais ça vient d'une plante qui est verte. Et en plus de ça, le fruit lui-même à l'extérieur, il est vert et manque de peau pour toi, même les grains sont noirs. Bien donc,
ça contrebalance. C'est pas bon. All right. And last but not least, I just want to say something about the grapes. You can look at it kind of spiritually as well. When you just look at a bunch of grapes, one, they make the shape. When you look at a bunch of grapes, they make the shape of a pyramid. They make the shape of a triangle. Yeah. Mm. So take that as you may for the people who are into ancient Kemet. And again, when you look at the black grapes, it's like a black family of grapes. It kind of represents us as a black nation, how we need to stick together. Yeah. We're close. That's true. We should be close together. That's how the grapes kind of represent us. That's the reason why they're the most powerful for our melanin. Et la banane, parce que là, du coup, je suis un peu stressé moi aussi, la banane. So I will translate this for brother Mubali Makasi, who says that he's suddenly under stress now. But before that, just a translation. Donc la famille, effectivement, ce qui est également important avec les raisins, c'est leur forme. Si vous voyez une grappe de raisin, ça forme un triangle. Ce qui peut nous faire rappeler une pyramide. Et ça peut également nous rappeler une famille de raisins. Donc, quand vous voyez les raisins qui se mettent les uns à côté des autres, c'est peut-être également une image un peu de ce que nous, Kamites, on devrait être les uns avec les autres. Donc, réunis côte à côte, on se soude pour être fort. So, Brother Mubali Makasi is saying, I'm a little bit stressed now because you haven't mentioned a banana. Mm. Pourquoi? Why? Well, bananas would have come under these yellow ones, yeah. The only thing with the bananas, yeah, is these days, where's the seeds? Mm. When you eat a banana, when you bite into a banana, do you see big black seeds in them? Mm. And also with the chemicals that, you know, are used in Guadeloupe et Martinique to produce that banana. Donc effectivement, il dit effectivement c'est vrai, mais le jaune serait donc classé comme dans une mangue. Mais le problème, c'est où sont les graines des bananes et comment est-ce que ces bananes elles sont produites. Et vous-même, vous savez la famille, comment les terres sont polluées en Martinique et en Guadeloupe pour justement produire cette banane. Are you saying that the banana in the past used to have a bigger seeds in them? Donc je pose la question, est-ce que ça veut dire que la banane à l'époque avait des grains qui étaient visibles et plus gros? Mm-hmm. Yeah, black. Ah ouais? Black seeds. Oui. Donc à l'époque, effectivement, les bananes avaient des grains noirs qui étaient beaucoup plus prononcés que ce qu'on voit aujourd'hui. This is the life. Remember, melanin is the chemical key to life. The life of the fruit is in the seed. That's the reason why you can eat the fruit and then plant the seeds, and guess what? You'll grow more of that fruit because melanin is the chemical key to life. It produces life. Donc, c'est pour cela que les grains sont super importants, parce que si vous consommez les grains, vous pouvez même en plus de ça planter ces grains, et c'est ça qui va donner encore d'autres fruits, parce que les grains, c'est the key to life, c'est la clé pour la vie. D'accord. All right, so that there you have it. That was Attends. Reste là-dessus et dis-moi ici là comment je peux consommer les grains de papaye là, parce que là du coup c'est un peu compliqué. So you gave us the idea for the watermelon. Now for the papaya, how could we consume the grains, the seeds that are in the papaya? Is it the same as in the watermelon? Yeah. So with the papaya, like you don't have to chew the seeds. You have to just swallow them, and because they're magnetic, they attract the parasites, yeah, and literally draw out the parasites. So if you was to just consume a lot of papaya seeds, don't chew them, just consume a lot of papaya seeds, you may over time you may start to see some worms come out of you. The parasites are coming out because the parasites are attracted to the seed. It's like a magnet. They just get drawn to the seeds, and then when you flush out the seeds, you're flushing out the parasites with them. Donc quand tu manges tes grains de papaye, t'es pas obligé de mâcher. Tu peux juste les avaler comme ça. Et ce que le grain fait, c'est qu'il se comporte comme un aimant. Il va attirer tout ce qui est crasse, tout ce qui est bactéries, microbes. Et si tu en consommes beaucoup,
ce serait pas étonnant qu'à un moment donné, tu vois des vers solitaires qui sortent, enfin des vers qui sortent parce que voilà, c'était à l'intérieur de toi. Ouais. Ah ouais? Are you for real that worms might be coming out? If you've got them. Si tu as des vers dans le corps, effectivement, ça sort parce que les grains sont des aimants et ça attire toutes les crasses. Ben Ça, va, et ça les fait sortir. ça va attendre. Je préfère que les vers restent là où ils sont. Je ne veux pas les voir sortir. T'imagines, tu es au boulot et ça sort dans tous les sens. Pas envie. Mobali Makasi, he says that he doesn't want to be, you know, in a canteen at work working, and those worms come out. He doesn't want to see them, so they can wait a little bit longer. Well, they won't come out whilst you're at work or anything. Like the parasites, they like to wait until you're lying down at night, lying down in bed, and that's when people start to itch. So people who go to bed and they start to itch, you might have parasites because. Like the old saying goes, the freaks come out at night. Beautiful song. Donc en fait, Frémo Bali Makassi, non, ils vont pas sortir quand tu es à la cantine. Non, 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 c'est quand tu es couché en train de dormir au lit. Et c'est là qu'ils vont sortir. Et comme me disait la chanson de Houdini, c'est dans la nuit que les vampires sortent. Donc c'est si jamais tu commences à te gratter la nuit là, c'est là que tu sais que c'est chaud. Non, ça va aller. Bon, frère. On a, je pense, fait le tour de ce que tu voulais nous montrer, mais j'ai quelques questions, si tu me le permets, des questions un peu pratiques, parce que j'aimerais bien quand même que les gens partent en se disant, ouais, j'ai appris quelque chose que je peux mettre en pratique dès aujourd'hui. Est-ce que tu as, parmi la liste que tu m'as proposée là, des fruits qui seraient contre le stress, parce que la communauté là, elle est trop stressée. Les locodermes n'arrêtent pas de nous tirer dans tous les sens. Nous sommes une communauté la plus stressée. Donc, est-ce que tu as des choses qu'on peut consommer pour calmer un peu le stress? So, as we're nearing the end of this broadcast, just a quick one. Our people is a people under stress, a lot of stress. Do you have some fruits or some ingredients, some food that we should be consuming that help us combat stress? Please. Well, going back to what we said with regards to food, food is information, yeah? So anytime we're under stress, it's an overload. It's usually an overload of information, or the body's not being able to process the information, yeah? There's no flow of information, or you're just consuming the wrong information. Now, if food is information, that's one way we get information. Then one way we can combat stress is eating the right foods. So I've just gone through quite a few foods that we can eat. Another way is stopping all the other consumptions that are wrong information. So this is information. We get information through our mouth, but we also get information through our ears. So what are we listening to? We also get information through our eyes. So what are we watching? We also get information through our nose. Brother, we also get brother, information brother, through our skin. Brother, as you're speaking, could you show that slide again with the spectrum in the eye? Because I think it makes sense for our people to see it. Donc je dis à la famille que c'est important que pendant qu'il explique ça, qu'on revoie le slide parce que c'est super important. Donc il est en train d'expliquer que la consommation, c'est pas que juste par la bouche. La consommation, elle se fait via la peau, elle se fait via ce qu'on entend, elle se fait via ce que l'on voit. Donc, c'est super important. Go ahead. So this is the electromagnetic spectrum. So we absorb these things in various ways. I've just shown you that we absorb visible light. We can consume it. So we can consume visible light through all of the different types of fruits and vegetables that we eat. But we can absorb electromagnetic energy through our skin. That's through the sun. We can absorb electromagnetic energy through sound. That's through everything that we're hearing, music, people, whatever it is. We can consume electromagnetic energy that way. We can consume electromagnetic energy through what we see. Anything that we look at on TV or on social media, that is us consuming electromagnetic energy.
Donc, l'énergie électromagnétique peut être consommée de différentes manières. Vous avez tous appris à l'école qu'on a différents sens. On a la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça. Tout ça, ce sont des capteurs de consommation. Donc, on peut consommer avec la peau. On peut consommer avec les oreilles. Donc, les sons que l'on entend, la musique, les gens avec qui on parle, les types de conversations que l'on peut avoir, etc. On consomme avec les yeux par rapport à ce que l'on peut voir. Donc, chaque fois que l'on consomme, il faut qu'on soit conscient que c'est pas juste la bouche, mais c'est la peau, c'est les oreilles, c'est les yeux, c'est le pied. Parce que celles et ceux qui savent, quand on marche pieds nus, eh bien, on est en contact avec l'univers directement. Et courir pieds nus, c'est pas la même chose que courir avec les belles chaussures qui coûtent très très cher. So if that's all the ways that we consume it, if we are under stress, we are consuming the wrong type of energy or wrong type of electromagnetic frequency. Donc, So lorsque on est sous état de stress, c'est parce qu'on est en train de consommer quelque chose, en tout cas une énergie qui nous est néfaste. this is why I say that melanin can be a gift and a curse. It's not something that we have an advantage over if we don't understand it. You understand that melanin is like a black hole. That means it's going to absorb anything that it comes into contact with. So, if we're absorbing all of the great information that's out there, the great information with regards to our black history, the great information with regards to the foods that we should be eating, the great information with regards to sounds and rhythms and vibrations, then guess what? Our melanin is going to be in super harmony and we're going to feel very super. But if we're consuming the wrong types of foods, if we're consuming the wrong types of TV shows, we're consuming the wrong types of sounds through music and through who we're listening to, if we're consuming the wrong type of information, it will lead to a dis-ease state. In other words, your melanin being in disharmony as opposed to harmony. Donc, en ce qui concerne la consommation, puisque tu poses la question, les éléments qui nous stressent, moi je dis simplement, et là il parle d'une technique que Dr. Laila Africa expliquait, il parle de maladie comme disease, mais dis-ease. Il dit simplement que lorsque on consomme des bonnes informations, on est en harmonie avec l'énergie électromagnétique qu'il y a autour de nous. Mais si par contre on mange des mauvais types d'aliments, si on et quand on parle de consommer, c'est pas qu'avec la bouche, hein, c'est également les shows télévisés avec des mauvais messages, une musique avec une mauvaise philosophie derrière. Si on écoute des mauvais sons, tout ça va faire qu'on va être en déséquilibre et ça peut nous amener au stress. But Mobali Makasi was asking specifically, I guess maybe, about the food that we eat with our mouth. You know, through our mouth, you know, is there something that you are stressed and when you eat it, you know, you feel, you know, in a different mood. A little bit like when you do a meditation, you burn incense, you burn sage, and then all of a sudden you feel at peace. So I think he was talking more Ou about. y a des thés, il y a des thés par exemple aussi, par exemple, qui te relaxent, par exemple. So yes, exactly. So he was talking, for example, you will drink some infusion, some types of teas that will, you know, make you relax because you were under some stress of some sort. So anytime you're consuming something that you shouldn't be consuming, Yes. let's say for example, I don't know, let's say where you're watching a TV program and it's very negative image, it's a lot of negative imagery and that sort of stuff. The best thing for you to do is fast from watching any TV, because if you can't just go from watching the negative to the positive, because there's too much confusion there. You've taken in too much of the wrong information. So sometimes we need to fast from the wrong information. Now I say that to relate it to food. Again, food is information. So if we're under stress, it's because we've been consuming
the wrong information, however we've been consuming it. So the best way to get over stress is, like you said, meditate and fast. That means fast from social media, fast from TV shows, fast from food. So even the food that I went through today, you fast from it, that kind of resets the body. Then you start to consume the foods that I went through today, which is all of these visible light spectrum foods. Yes. Ok, donc Mobali Makassi, effectivement, donc je reviens à ce que j'étais en train de dire, puisque la nourriture, notamment les grains, sont magnétiques, donc ils contiennent l'information, eh bien, lorsqu'on est en phase de stress, ben, il faut faire comme ce qu'on fait quand on a envie de changer, ben, on fait un jeûne. On peut faire un jeûne sur la nourriture, mais également on peut faire un jeûne sur ce qu'on consomme qui n'est pas bon, qui est une mauvaise information, mauvaise musique, mauvais programme télévisé, t'es trop sur les réseaux sociaux. Donc tu peux jeûner sur ça pour justement pouvoir changer. Brother, then in this case, I need to ask you a question. I don't know if it is my imagination. Through one of your lectures, you talked about the Shungite. Especially when you sleep at night and you disconnect your phone, your broadband, and you put some Shungite, I just realized that I was sleeping different from before. I don't know if this is my imagination. Let me just translate this to the family. Donc la famille, il y avait une conférence que le frère Leon Marshall avait donné, et j'ai suivi ce qu'il avait donné comme recommandation. Et j'ai commencé à dormir sans mon téléphone portable dans la chambre et j'éteignais la Wi-Fi dans la nuit. Ça, c'est première chose. Et deuxièmement, il y a cette pierre qu'on appelle Shungite. C'est, vous savez, cette pierre, on peut prendre une torche, on enlève une pile et on connecte cette pierre et la pierre allume l'ampoule pour prouver que c'est du vrai. Et bien, quand je dors avec ça, ce Shungite a comme spécificité, c'est que il annule toutes les crasses qui passent par les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si c'est mon imagination, mais je dors beaucoup plus tranquillement. Donc, je vais lui poser la question. Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour pour aujourd'hui. Je vais dire au frère Marshall Matondo, vraiment Matondo pour cet échange, parce que c'est quand même beaucoup de temps qu'il nous consacre ici. Alors frère, moi j'ai cru comprendre que tu vas nous faire une petite série. C'est comment frère? So apparently, brother Leo Marshall, you are going to surprise us with a series of 6 lectures that you would like to offer to the brothers and sisters in the French-speaking world. Yes, the simplified version of how to understand melanin. Because I truly believe the more we understand this, the better it puts us on the path of doing what we're supposed to be doing once we truly understand the gift that we've been given for free. Effectivement, moi, ce que j'aimerais, c'est faire un cadeau à la communauté. J'aimerais gratuitement offrir mes services et ce serait une série de 6 conférences que je donnerai en ligne. Et parce que j'estime que les gens doivent vraiment avoir accès à l'information sur la mélanine et je vais faire ça de manière simplifiée, mais je vais le faire gratuitement. Excellent, mon frère. Matondo vraiment pour ce geste, parce que la communauté a besoin de ça. Frère, Thank you, because our community needs that kind of information. En tout cas, c'est le moins que je puisse faire. Matondo. Bon, on a fait un peu le tour. Demain, c'est bien les mélanines, machin truc, mais demain, on va tous aller pointer chez le locoderme. Donc, il faut qu'on aille tous aller dormir pour qu'on soit en forme. Matondo, frère T-Boy, merci frère d'avoir pris le temps pour faire la traduction de tout cela, parce que je sais que c'est pas Matondo. Quelque chose de facile. Et les amis, on va quand même faire un petit vote, parce que c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que la famille en a pensé? Les amis, on fait un petit vote. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du frère? Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis?
So we are now finishing. We are aware that it's good to talk about melanin and all the rest of it, but tomorrow all of us will have to go to the Caucasian men to work. So we'll have to go On and va aller chez speak. les sans filtre, chez les sans So spectrum, sans spectre. we will have to go to those who reflect the entire spectrum. So, but in the meantime, we just have to finish by asking our viewers to vote on the performance of Brother Leo Marshall's tonight. So if they liked it, they have to vote number five. If they didn't like it, they have to vote number two. Allez les amis, on est parti pour le vote, c'est parti. Ben moi-même je vote comme un président africain tout le temps. Toi je vote, c'est mon vote, il est là pour juste faire le poids. Allez les amis. So even myself, Mobali Makasi, I am going to vote in favor of Brother Leon Marshall for this excellent delivery tonight. Matondo, Ah oui. Matondo. Matondo. And Bon. just to finish up, I just want to say for the people, the main point I wanted to get is that with your melanin to be in harmony, you have to be following your passion. You have to be doing what you were set, why, what you were put on this planet to do. You have to be following your assignment. In order to do that, if you don't know what it is yet, in order to do that, you have to have some time with yourself to try and reflect on what you're enthusiastic about and go for that. Because if you can, then you can get away with eating whatever you like Brother Mabali Donc en fait, le message central que je voulais que la famille garde ce soir, c'est que poursuivez votre passion. Vous avez été placé sur cette terre parce qu'il dit, you have an assignment. Donc en fait, il y a un devoir, il y a une mission qui vous a été confiée et vous devez justement l'accomplir. Et quand vous l'accomplissez, vous êtes en accord, en harmonie avec ce pourquoi vous avez été envoyé ici. Et il dit, si vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes venu ici, prenez le temps, réfléchissez et surtout essayez de voir quelles sont les choses que vous aimez faire avec enthousiasme. Vous savez, ces choses que vous faites avec facilité, les choses que vous pourriez faire sans même aller dormir tellement vous êtes content. Eh bien, c'est là les clés de ce pour lequel on vous a envoyé de venir ici. Excellent. Bon. Haché. Mes frères, Haché. que les ancêtres puissent vous inspirer, les amis, et que les ancêtres vous protègent, parce que demain, c'est la chicotte pour certains. Sur ce, Matondo, et on se retrouve très bientôt. OK? Matondo, thank you so much. Otep à Thank la you. famille. Otep. Otep, Otep, Otep. Otep. Otep, Otep. Bye bye. Ouh là là, les amis. Bon, j'ai vu le vote, hein, j'ai vu le vote, j'ai vu le vote. C'est du bon, c'est du très très bon. Vous avez tous validé le travail fourni par le frère, mais aussi le frère T-Boy, quand même, qui a fait le travail. C'est pas évident, vraiment. Je sais pas comment il fait, mais c'est impressionnant. Sur ce, les amis, vous avez vu, semaine prochaine, Moontout débarque. Débarque, pas une conférence, ça sera gratuit. Ça aurait pu être une conférence, mais les amis, on n'a pas envie de vous faire les poches. Donc, ça sera gratuit. Ça va être une grosse séquence. Il y aura trois épisodes. Donc, c'est vraiment un travail énorme qu'ils ont foutu. Là, ça va vous parler des résistances sur le continent et en particulier en Afrique du Sud. C'est des choses que vous ne savez pas. Parce que les amis, personne ne vous l'a dit. D'accord? Personne ne vous l'a dit. Donc là, du coup, Moutou s'en charge, en fait, a fait le boulot et ils vont passer au tableau et ils vont vous exposer tout le travail fourni sur trois. Il y aura 3 jours. 3 jours où ils vont vous exposer ça. Mais je peux vous dire que vraiment, ils ont bossé fort, 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 fort. Et ça mérite d'être écouté, mais surtout prendre les notes pour vos recherches après, pour vos enfants, pour expliquer certaines choses qu'on ne vous dira jamais, ni à l'école, ni par certaines personnes, parce que soit ils ne le savent pas, soit ils n'ont pas du tout envie de vous le dire, soit ils ont envie de vous le dire à condition de payer. D'accord? Et nous, on va vous le faire gratuitement, parce que c'est la chaîne de Mobali, et Mobali, c'est mieux que le Père Noël. Donc ça va être gratos. Okay? En attendant la conférence Moontout qui arrive d'ici septembre vers le 15. D'accord? Donc vers le 15, les amis, toutes les personnes qui souhaitent assister à la conférence de l'équipe Moontout, ça sera en septembre. Donc, commencez à payer vos billets. Ceux qui habitent à l'étranger, ceux qui habitent loin, commencez déjà à manger les pâtes, les choses qui ne sont pas dans le spectre. Oh, t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais.
commencer à manger des choses qui sont pas dans le spectre. D'accord. Parce que tout ce qui est... T'es une mauvaise langue. T'es une mauvaise langue. Parce que tout ce qui est en dehors du spectre, ça coûte cher. Manger blanc. Manger blanc, les amis. Pâtes, pommes de terre, tout ce qui est dans le spectre. Voilà. Sucre. Sucre. Sucre avec de l'eau. De l'eau chaude, de l'eau tiède. D'accord. Restez là. Mauvais, restez dans cette partie-là, les amis. D'accord. Comme ça, vous allez assister à la conférence de Muntu. D'accord. Les prix, à peu près, ça sera les mêmes. Il y a des chances que ce soit la même salle. D'accord. Donc, on est ensemble. Je vous tiens au courant. Bientôt, les affiches vont sortir. Vous serez amaigri, mais les amis, les abdos vont au moins sortir. Il y a quelqu'un qui a voté, il a fait 0-0-0. Ah, mais... Non, là, je vois 1 et puis 0-0-0. Il y a un devant. OK. Bon, alors, les amis, on est ensemble, mais vraiment, je vous le dis, vous allez vraiment, 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 vraiment aimer ce qui se prépare. Alors, la conférence, comme je l'ai dit, ça sera sur l'occultisme. Mais essayez de comprendre, en fait, comment les locodermes sont arrivés à un niveau très élevé dans ces histoires-là, alors qu'à la base, ce ne sont même pas leurs histoires. Parce qu'on dit souvent, oui, les locodermes nous ont piqué nos affaires, mais on ne nous explique jamais qui les responsables, les époques, comment ça a évolué, on ne nous explique jamais, on fait des raccourcis, des phrases très simples, et on ne prouve jamais, on ne met jamais les documents. Donc nous, on s'en est occupé. Donc là, vous aurez les documents, vous aurez une chronologie pour voir comment ça s'est, comment en locodermie, tout cela a évolué, les loges, tout cela, et puis comment au niveau de enfin bref, les amis, je peux pas en dire beaucoup pour l'instant, mais je peux vous dire que ça va être super, super passionnant. Et comme à toutes les conférences Muntu, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc laissez-nous un peu le temps de peaufiner tout ça. Et d'ici septembre, vers le 15, ça va être bon. Donc un mois à l'avance, je vous le dirai. Encore une chose, le voyage pour le Cameroun. D'accord, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui va se passer pour le frère Omutunde. Il y a une cérémonie qui va se passer pour le frère Omutunde. Et on va faire de ce lieu-là un lieu de pèlerinage où tous les Kémites, chaque an, ben on va aller là-bas pour faire certains rites et vivifier le cas de notre aîné. Non seulement de notre aîné, oui, non seulement de notre aîné, mais des autres qui vont arriver. Il faut quand même qu'il y ait un endroit où les Kémites sont enterrés, en tout cas ceux qui ont fait des bonnes choses. Un endroit où ils sont enterrés. Et s'ils ne sont pas enterrés, il y a une stèle à eux, où il y a quelque chose à eux là-bas. Et on y va tous pour vivifier ces personnes-là. Donc là, ce qui est génial, c'est que l'équipe du frère Tété, ils ont fait un sacré boulot. Ouais, ils ont fait un sacré boulot. Ils ont pris une bonne décision. Et c'est très bien de montrer l'exemple. C'est très, très bien de montrer l'exemple. Mais le problème, c'est que si la communauté ne soutient pas, on aurait beau avoir les bonnes idées, on aura beau avoir la meilleure volonté, si la communauté ne soutient pas, ça tombe à l'eau. Et après, il ne faut pas se plaindre qu'on n'avance pas. Donc là, il y a un frère, enfin, pas qu'un frère, mais toute une communauté, Baptême Nassim, Muntu aussi, est derrière, on donne la force. Il faut soutenir. Donc, ça se passe au mois de décembre. D'accord ? C'est le mois de décembre. Si ma mémoire, elle est bonne, je pense que c'est vers le 16 jusqu'au 20, 26, quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, le Cameroun. Bon, là, ce qui est galère, c'est que les billets... j'avoue, c'est un peu cher. Mais alors moi, j'ai posé la question, pourquoi ils n'ont pas fait l'événement plus tôt? En fait, ils ne peuvent pas faire l'événement plus tôt parce que, si tu veux, c'est lié aux astres. Donc, il y a un alignement qui se fait, et par rapport à cet alignement, il y a un rite qui va s'effectuer. Donc, ça ne peut pas être fait au hasard. Ça ne peut pas être fait en octobre. Non. C'est une période bien précise par rapport aux astres. Il y a un rite qui se fait. Donc, le billet, il est cher, mais je veux dire, c'est un événement unique. C'est une fois dans l'année et ça mérite de... Comme les musulmans, ils font, hein, ils cotisent pour aller à la Mecque. Les chrétiens mettent de l'argent de côté pour aller en Israël, de se retrouver devant le mur de lamentation, là. Ben, les Kémites doivent aussi, l'année, se préparer, payer leur billet, aller là-bas, même si le billet, il est un peu cher. Ben, les amis... Comme je l'ai dit, hein, on se range sur le spectrum. Le spectre. toi, tu ne veux pas lâcher l'affaire. On se met sur le spectre. On se met sur le spectre. Et croyez-moi, ça marche. Hein. À partir du moment où tu es dans le spectre,
Il y a des miracles qui se font. D'accord. Sucre, pâte, pomme de terre, arachide à l'eau, tubercule, normalement, il y a moyen de le faire. D'accord. Ok. Bon, allez, les amis. T-Boy, tu es encore là, frère? Oui, je suis toujours là, oui, frère. En tout cas, au top à la famille, toujours content de revenir et de revoir les frères et sœurs qui soutiennent la chaîne. Et je vois que ta chaîne, elle grossit, elle grandit. Je vois des noms que je ne voyais jamais avant. Donc, au top au nouveau, paix à vous. Et puis, ben, en tout cas, passez une excellente semaine. Et puis, on se retrouve au prochain numéro. Excellent. Bah, écoute, on fait comme ça. Moi, je vous quitte avec un générique, tout simplement, parce que je suis un professionnel. Au revoir. Otep à la famille. Otep. Matondo.